happen to. Like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a bit of blast, I like taking it fast, I like going to the end and doing it with no class. Trust me on this, the moment you've been waiting for, kiss, kiss, kiss of death. And I'll meet you at the next step, but you can't beat me, so baby get in line and guess where I'm coming from all sides, high above, fire blasting off Monday Nitro. Hand me the keys to this motorcycle, let me start it up. Yeah! Vroom, vroom, I'm ready to go. Time to let the Monday Nitro. This is the moment you've been waiting for. Lock up the basement and the front door. No one's coming in. Time trial. I'm getting ready, baby. I'm racing all night and wild. Everybody's here waiting to play. My high score stands all day. Yeah, here we go. Do not hold me back. Do not try to ride on the back of my motorcycle. We'll be right back.
on the Captain Free. Normalement. Bonjour. Voilà. Bonjour, ça marche. Tout le monde. Salut CDV, comment ça va? Ça va très très bien là. Donc du coup, on va faire un petit format spécial ce soir, un petit format fun. C'est vrai qu'on commence les formats fun un peu tard. Mais si on voit que ça fait rigoler les gens, bah déjà on reconduira ça vers la fin de l'UD3 et on reconduira ça pour l'UD4. Et puis c'est le moment de tester des formats un peu... de se permettre des trucs. Peut-être que des fois des formats ils marcheront pas, peut-être que des fois on aura des bonnes surprises. Une chose est sûre en tout cas, c'est que ce soir, déjà, ce format va permettre de voir plein de jeux, puisque c'est là un petit peu... Alors le format ruche, hein, évidemment c'était pas rush pour rusher, mais c'est le format ruche les abeilles. Vous l'avez tous deviné. C'est le format des abeilles. Voilà. Donc non, alors le format rush, comme son nom l'indique, rush, ça veut dire aller vite. Hein. Donc c'est un format qui va nous permettre de voir tout un tas de jeux parce que ça va être un tournoi relativement court. Hein. Ça va terminer entre 22 et 23 heures. Mais on va voir 7 épreuves. Vous vous doutez bien qu'il y a un petit anguille sous rush parce que même les meilleurs ne font pas les 7 jeux en 3 7, heures. 7 jeux en 1 heure. Donc là, il est 20h10 à peu près. Il faut qu'on fasse 7 jeux. Ça va être tendu quand même. Ça va être vraiment sérieux. Hein. Voilà, alors en gros, le format rush, le principe, alors déjà, oui, là, c'est bon, gentil, je croyais qu'il n'avait pas le bon programme sous les yeux. Juste un aparté, il est encore temps de s'inscrire, vous avez 2 minutes, on avait annoncé 20h le début, ouais, mais son ami... Il reste 50 secondes là, il faut se dépêcher. On a mis 20h10 sur le site pour que vous puissiez vous inscrire, c'est un tournoi sur, à inscription sur l'UD2, donc si vous n'avez pas, allez sur le site, si vous êtes inscrit, si vous êtes inscrit à l'UD et participez au tournoi. On a quand même, du coup, on a quelques petites personnes, on a 33 personnes qui se sont motivées à faire ce tournoi fun. Le format rush, c'est quoi? C'est que peu importe le speedrun, donc ça reste les mêmes modalités, hein, les mêmes jeux avec les mêmes modalités, hein, donc les jeux au programme de l'UD3, mais pour chaque épreuve vous avez 10 minutes, c'est pour ça que c'est un temps comme indiqué là qui va donc du coup aller de 10 à 0, et arrivé à 0 on lève les stylos et on regarde simplement si vous avez fini ou pour les jeux pour lesquels c'est absolument impossible, Mega Man X en l'occurrence, vous noterez votre complétion. Donc en gros, voilà, il y aura pas mal d'égalités, mais je pense qu'en 7 jeux, on aura de quoi largement départager les joueurs, d'autant que vous avez sans doute remarqué que les deux derniers jeux, c'est des jeux qu'il est largement possible de terminer en 10 minutes, ce sera les jeux sur lesquels justement il y aura sans doute les plus décisifs, je sais pas ce que t'en penses Twin, mais 10 minutes pour Nuclear Throne et Mario, ça va être hyper tendu, possible mais très dur. Ouais, ça va être les jeux du all-in. Je pense que de toute façon, en gros, il faut tout jouer all-in. Vous allez à fond le plus vite possible. Vous regardez où sont vos splits sur les jeux. Par exemple, en fait, c'est assez chaud de tuer Kuwanger, mais c'est faisable sur Mega Man X. Ensuite, il y aura Metal Slug X, sur lequel vous pouvez faire 4 niveaux quand même. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui en sont capables. Super Ghouls and Ghosts, ça va être chaud. Trial, je sais même pas où est-ce qu'on arrive en 10 minutes. Castlevania, il y a quand même... On commence à avoir moyen de faire pas mal de bouts du jeu. Nuclear Throne, on a le temps de finir. Mario Bros 2, on a le temps de finir, mais c'est quasiment impossible en tournoi. Ça y est, les gens, évidemment... voilà, le sub 10, il vaut de l'or sur Mario, évidemment. Il y a énormément, énormément de points à gagner. Il y a 100 points gratuits si vous faites le sub 10 minutes sur un jeu, ce qui n'est possible, normalement, sauf glitch incroyable sur les autres jeux, sur Mario et Nuclear Throne, donc ça va être dingue. Ouais, c'est clair là. C'est bon, après les Mario, c'est un peu de la blague parce qu'on en a quasiment jamais vu en fait. On en a très très rarement vu, alors que les Nuclear Throne, on en a vu quelques-uns. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment sur Nuclear Throne que tout va se jouer, j'ai peur. Mais du coup, il y a un match. Je pense qu'il y en a qui auront des petits points de retard, mais c'est pour ça. Ça devrait être assez rigolo. Voir aussi s'il y en a qui changent leur routing, genre par exemple sur Mega Man. Oh, finalement, j'ai que 10 minutes, je vais te faire ce boss, il est gratuit. On sait jamais, je sais pas ce que vous allez faire. En tout cas, bonne chance. Les gens, du coup. Pendant que les gens voient ma tête et que tu es tout caché dans l'ombre, est-ce que tu devrais faire un tour sur le Mumble, annoncer les modalités à tout le monde? Parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté. Bah, je sais pas si tout le monde écoute, j'espère que c'est bien transmis. ouais, non, je vais faire ça. Parce que les gens, il faut les réserver. Je vais leur dire. Je reviens vite fait.
Ah, ça aurait été rigolo, Taker, évidemment. Il y a plein d'idées hein, sur les formats alternatifs, sur les formats fun. On va en faire deux ou trois, je crois. Peut-être même pas sur le l'UD3. C'est vrai qu'on a commencé tard. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. On a pris la mesure hein, de ce qu'était le Décathlon vraiment avec l'UD3. Et évidemment, on s'améliorera dans l'UD4. Il y aura plus de tournois par équipe qui sont super fun. En fait, on a vraiment mesuré l'importance de ceci. Il y aura plus de tournois fun comme ça. Il y a de plus en plus de trucs qui sont faits dans une saison, c'est normal, parce qu'on connaît de plus en plus les jeux, donc évidemment on a de plus en plus de choses à proposer. D'ailleurs, à propos de ça, vendredi soir à 21h, il y aura sans doute une petite race fun Trackmania, sans doute pas sur cette chaîne-là, mais sur les chaînes des runners, si ça vous fait marrer de suivre. Et jeudi, il y aura peut-être un format spécial ou le décathlon d'entraînement, je ne sais pas exactement encore comment ça va se goupiller. Il y a évidemment tout le temps plein de trucs. Ça n'a pas encore commencé, évidemment. Le timer, et c'était ici, là, à moins 10 minutes. Hein, donc, c'est pour... dès que ça atteindra zéro, il faudra lever les manettes. Moi, je vais enlever ma caméra, comme ça, on aura la vue de psychose. Si je me trompe. Voilà. C'est très simple, je suis de retour, donc les gens, je vois que la plupart d'entre eux sont prêts, donc vous notez votre score comme d'habitude sur le site, ça que c'est cool. Il n'y a que chez Metallo que ça marche pas. Vous pouvez évidemment utiliser l'outil de race, noter les complétions au bout de 10 minutes, dès que le timer, votre live split personnel ou le timer du site, normalement c'est la même chose, hein, atteint 10 minutes, vous vous arrêtez, vous inscrivez votre complétion, et dès que tout le monde à peu près a lancé sa complétion, on lancera la race suivante. Ça devrait aller très vite, hein, parce qu'en gros ça fait 70 minutes de jeu, c'est ça CDV? Ouais c'est ça, après il y a des petites transitions, mais le temps de faire du blabla, que les gens changent de jeu, mais ça va tenir largement dans les temps. Alors du coup on va, donc du coup pour Megaman on va juste se fixer les splits de manière conventionnelle, ça devrait pas jouer beaucoup, c'est quand Megaman se téléporte, c'est ça, quand il a vaincu un boss. En général c'est ça, voilà. Dès que ouais, Megaman voilà. Lève la main, de toute façon je pense pas qu'on ait de... Non, de ça je jouera pas la seconde, je pense à pas. À la seconde près, en tout cas j'espère évidemment. De toute façon... Allez hop, de toute façon, pas seconde près. Bah du coup les gens, je vais appuyer sur Red, 27 sur 36 sont prêts, c'est bon, je considère que tout le monde est prêt là. C'est parfait, et ben, on va lancer cette Red, donc dans 2 minutes ça va partir, ça on va faire du blabla. 27 runners qui vont faire du... Même 36 possiblement. 36 ouais, bah si, en tout cas au moins 27, ce qui est déjà un joli chiffre pour une race fun évidemment en semaine. Y a pas d'étoile à gagner, n'est-ce pas? Non, pas d'étoile à gagner, non. C'est marrant que du coup, on n'avait pas trop discuté du format qu'on allait faire, donc c'est toi qui a modélisé ça. Et c'est très drôle parce que hier soir, je parlais avec des runners de... peut-être un jour, si on a trop de temps entre deux UD qu'on doit décaler, qu'on a par exemple un mois ou deux semaines, je me vois bien organiser un format de décathlon, mais un mini décathlon où il y a soit que des jeux de genre de 30 secondes, soit que des niveaux 1 de jeu. Où ça ira très très vite, donc quelque chose d'assez similaire. Là, on va voir plus du niveau 1. En plus, c'est des runners expérimentés qu'on va vous montrer. Donc, Gentifa Taker Psychose, quel est ton pronostic? Alors, du coup, en gros, le truc, c'est que, bon, évidemment, Tifa, de toute façon, vous le savez, quel que soit le format, tant que c'est pas des trucs complètement saugrenus, c'est-à-dire que là, même si c'est un peu saugrenu, ça reste le même jeu, la même catégorie. Donc, on va dire que tant qu'on reste un peu dans les clous en termes de format, il est le favori. Donc ça c'est évident. Par contre ce qui peut jouer c'est que par exemple sur les 10 jeux, vu que là il y en a 7, il y a des gens par exemple comme Taker qui sont très très bien placés parce qu'il est pas trop... ses jeux les moins bons c'est Metal Slug X par exemple et Trackmania, or il n'y a pas ces jeux ce soir. Par exemple pareil, Jante, ses deux pires jeux c'est Metal Slug X et Trackmania, du coup c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il est déjà 6ème du Décathlon pour Jante, 2ème pour Taker, mais c'est un petit plus. Et c'est surtout, on va voir, je pense, les jeux les plus décisifs, ça va quand même être Nuclear Throne et Mario qu'on verra à la fin. Donc si vous avez un 195 et que vous êtes régulier en tournoi, ça pourrait, je pense, jouer à votre avantage. Voilà. Moi, mon pronostic, c'est que personne finit Mario. Pronostic facile. C'est clair. Et je sais pas combien de gens vont finir Nuclear Throne, mais très peu, parce que 10 minutes, c'est quand même très charrette, hein, il faut bourrer. Ça va commencer dans quelques secondes. Ouais. Donc on va voir sur Megaman. Normalement, 3 robots, on est d'accord. Oh, c'est beaucoup, hein. Déjà si on font 2, c'est pas mal. Hein. Après, il y a des pros. Hein. Alors déjà, la mort à l'intro, ce serait le drame. Alors moi, franchement, je sais pas, moi je serais à leur place, je perdrais
5-10 secondes sur l'intro pour sécuriser et pas bourrer comme un débile. Mais après, vraiment sécuriser pour pas mourir. Après, bah, bon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que normalement, la route standard hein, donc de Pingouin plus Kuwanger, c'est les deux premiers boss et on peut finir vers 9 minutes sans erreur, 8 minutes 30 si on est très bon. Mais par contre, c'est vrai que 10 minutes, du coup, c'est un peu chaud pour en rajouter un. Il y a moyen de rajouter Caméléon qui est très très court ou Mammouth qui est très très court, mais Mammouth c'est mieux de le faire avec Eagle, donc de toute façon c'est très dur d'en faire 3. Je pense que si on fait Pingouin, Eagle, Mammouth, ça peut passer si on est bon, bien sûr. Hein. Moi c'est pas dit que je le fasse, ah, c'est quand même tendu, mais ça peut passer. Pingouin, Eagle, Mammouth, est-ce que Eagle est beaucoup plus court que Kuwanger? Ah, c'est quand même long. Oui, mais Eagle sans Caméléon, ouais. Tu perds 30 secondes déjà. Donc, route très difficile à prendre. Alors, dans cette intro, pour l'instant, on est pas mal, personne n'est mort. Ils sont très synchro. Sinon, on prend la route classique, mais alors là, par contre, il faut pas prendre l'armure. Hein. C'est... Ah oui, de toute façon, pas d'armure. On peut peut-être... Les très très bons, de toute façon, font les 8 Robot Masters en sub 20 minutes. Donc, ils ont évidemment... Oh, Jante qui prend pas mal de retard en récupérant plein de vie ici. Ouais, ça va être très tendu, donc a priori, alors ce qui est, on sait que l'intro c'est un des niveaux où les gens meurent le plus, pareil sur le niveau de Kuwanger, donc du coup, est-ce que faire Kuwanger en premier, même si c'est la strat optimale en ennemi pourcent, est-ce que c'est pas un peu risqué dans le cadre d'un rush 10 minutes? Sinon, tu fais Eagle, Mammouth, Caméléon. Ah non, Caméléon c'est trop chaud sans Kuwanger. Ah ouais, tu ouais. Fais Eagle, Mammouth, parce que t'as pas besoin de pain. Ah si, la glissade, c'est quand même pratique. Hein. Ah, la glissade, c'est pratique. Hein. Moi, je mettrais quand même... Mais c'est vrai qu'elle est moins optimale, la glissade. Elle est surtout optimale quand vraiment on la mais prend... Mais travailler sans, c'est assez terrible. Ouais, de toute façon. C'est terrible. Ouais. Donc, je prédis le routing normal. Pingouin pour tout le monde en premier. Et ensuite, peut-être des variations. Là, je parie que le cœur des runners est en train de battre à fond parce que comme tout se joue en 10 minutes, là, il y a un côté genre vraiment chaque erreur, ça rebalance un peu la difficulté. C'est normalement le début. C'est pas là qu'il y a les plus gros pics de difficulté. Bon, il y a quand même que Wanger, mais il y a toujours moyen de se rattraper. Mais là, sur 10 minutes, il y a plus vraiment moyen de se rattraper. Donc les erreurs sont vraiment punies sévèrement. Là. Mm-hmm. Ça va être, il y a peut-être un peu de tension, mais on verra. Enfin, de la bonne tension. Là, parce que... bah, ouais, on est déjà à presque 3 minutes d'écoulée. Hein, donc l'intro, c'est assez long. Une très très bonne intro. Ça dure 2 minutes 35 au moment où Megaman se téléporte. Évidemment, Pingouin, Taker en tête, Psychose en deuxième, Tifa en troisième et Jante en quatrième. Jante qui est très favori sur ce tournoi, bizarrement, parce que je pense que c'est un des rares avec Tifa qui peuvent théoriquement finir en sub 10 Mario quand même. Ouais, Jante même encore plus que Tifa. Tifa, elle a souvent fait des 10-10, des 10-20. Jante, c'est un peu comme Zogman. Ils sont capables de faire des 9-50 en race, mais ça va être le all-in, quoi. Donc, mais je pense que la strat all-in est bonne sur Mario, parce que foncièrement... Oui, tu perds pas grand-chose niveau points, ouais. Et donc il va falloir bourrer. Et de toute façon, peut-être que les très forts arriveront 7-1, ce qui est maximum, si personne d'autre arrive à finir. Donc, de toute façon, il faut hausser le tournoi du all-in. Taker qui fait du très bon platforming ici, mais Tifa est juste derrière. Psychose qui a perdu un petit peu de temps sur ses slope jumps, donc il se fait rattraper par Jante aussi. Alors c'est pas mal effectivement. Alors un bon pingouin, c'est vrai que moi, j'ai pas les splits par cœur, mais les bons joueurs mettent combien de temps sur pingouin, on va dire entre le 5 minutes pour pingouin. Pour le split. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi la cinématique du coup qui... après ça dépend quand. Entre 5 minutes et 5 minutes 30 pour les très bons. Moi je suis à 5 minutes 36, un truc comme ça, mais Taker peut faire du 5 minutes. Les meilleurs hein, sont en sub 5 sur pingouin, mais mais là il y a commencé à y avoir du très très gros niveau. 6 minutes ça commence à devenir vraiment médiocre hein, donc normalement waouh, il a réussi le saut du robot Tifa, la technique la plus dure de Megaman, ça a l'air si facile. Bon, mais quel que soit le jeu, dans Metal Slug c'est pareil, j'ai le défaut inverse, je sors trop facilement du robot et je le sacrifie quoi, c'est parce que je saute débilement. Ouh, d'ailleurs ouais. Bah, Jante qui se fait un petit peu attraper là par le robot, tu le mentionnais, Jante qui commence à accumuler pas mal de retard. Tifa qui a dépassé Taker sur cette dernière phase, il l'a fait parfaitement, Taker a pris des petits damage boosts et ouais, je pense quand même qu'il y aura beaucoup d'égalité, même le retard ouais. De Jante est pas forcément trop grave. Voilà. Allez, pour que personne ne pleure, parce que c'est pareil, les splits intermédiaires, c'est toujours, on va dire, les joueurs, autant le split de fin, c'est le split de début, ben c'est y a une convention, mais c'est vrai que pour les splits intermédiaires, ça dépend vraiment des gens. On va dire que là, on va prendre le truc le plus généreux, quand le boss, vraiment, ben, il explose, quand il a plus de vie, quand il est mort, ça compte pour un boss tué, quoi.
Dès que la vie des boss atteint 0, c'est validé. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a qui split comme ça. Moi, je split par exemple dès qu'ils sont morts, les boss, moi. Okay. Donc voilà, ça va être le split le plus. Oh non, tes cœurs qui prend une mort très punitive si il s'est fait sauter dessus. Oh là là. Ah, c'est normalement sur la route normale. Hein. Ouh, Psychose qui prend un hit aussi. Et c'est Tifa qui finit en premier. Attention, Psychose. Normalement, c'est pas punitif. Parce qu'on peut quand même être égalité, c'est pour ça que ça ouvre bien ce tournoi, oui, oui. Megaman. Mais attention, il ne reste plus que 4 minutes 15 maintenant. Et là, ça met une pression maximum à Taker. C'est combien de points par Voilà, Tifa, routing. En fait, quand je suis allé dire bonjour aux gens, ils étaient tous en train de faire un routing par 6-7. Ils étaient en train de dire, ah non, c'est plus optimal de faire Eagle ou Bidule d'abord. Donc là, ils font pas le INI pourcent, ils font Eagle. Ça y est, ça a réfléchi, ça fait Eagle Mammouth, je pense. Ok. Ah, y a pas le temps, je pense. C'est là qu'on voit qu'au moins les joueurs se sont décarcassés. Ils ont pensé, ouais. Ils ont pensé routing. Ils s'adaptent. C'est là qu'on voit du coup, ils se disent bon, peut-être que c'est une mauvaise décision, mais enfin, ils ont produit en tout cas une réflexion. La bonne décision, c'est que Eagle est beaucoup plus facile que Kuwanger, donc il y a moins de risque d'accident. C'est clair. Mais par contre, Tifa qui prend le routing sans prendre le sub tank, là oui, ça fait vraiment le routing alternatif. Ça joue la catégorie, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est ça, de toute façon, speedrun. C'est, on change en fonction de la catégorie, c'est cool. Oulala. Attention quand même. Un jante, il prend. Chante, change pas de route, jante non plus. Ça m'étonne pas parce que ce passage derrière avec les petites plateformes, il est quand même un peu plus compliqué. Oui, jante qui ne saute pas. Non jante. Et Taker qui prend Kuwanger, pour l'habitude. Bah, pour rattraper son retard. Il est en retard maintenant. Non, parce qu'il est. Enfin, ça va pas être plus court ni plus long, hein, c'est ça. Ah, peut-être un peu plus court, Kuwanger. Plus dur, mais plus court. Oui, Tifa, quel est. Non, c'est pas possible de mourir là. Il va au moins avoir le checkpoint. Non, mais il est mort à la plateforme de fin du boss. Il se fait dépasser par Psychose là. J'avais jamais vu quelqu'un mourir. C'est impossible mourir de mourir là, c'est impossible. Là, c'est le stress, c'est la vie qui glisse. Je pense qu'il a voulu éviter tellement la vie. Oh, Taker qui prend beaucoup de hits. C'est très très rare de les voir jouer comme ça. Je pense que ça les a vraiment déstabilisés, cette histoire. C'est très amusant. On verra où on en est au niveau des points. Il reste déjà plus que 2 minutes 20, ça va tellement vite. Ah, c'est clair. Il y aura moyen, effectivement. Mammouth, c'est un stage très très court, donc il y aura moyen peut-être. Mais ça va être compliqué. Hein. Ouais, pour ceux qui demandent, que 10 minutes par speedrun et ensuite on passe à la suite, on va le plus loin possible en 10 minutes. Il va rester plus que 2 minutes déjà, ça va vite. Est-ce que Taker va réussir à tuer un autre boss? Tifa ne va sans doute pas avoir le temps d'aller tuer Caméléon derrière ou Mammouth ou très très juste. C'est dommage parce qu'il y avait le temps en fait de tuer Eagle puis Mammouth. Mais son erreur lui a vraiment coûté. Ils sont tous morts une fois en fait, hein, donc. Il y a quoi, 12 points par boss à peu près dans Megaman? Ouais, c'est ça, c'est 150 et ouais, c'est un truc comme ça, parce qu'il y a 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça, 13, un peu plus de 10 même. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, 12 points par boss, de mémoire, c'était ça, parce que c'est 138 sans Sigma, donc ouais, Taker qui joue très safe, attention, il lui reste 1 minute 30, peut-être que là, Taker, il faut mourir immédiatement et avoir juste le temps de battre Kuwanger. Ouais, ça serait la bonne strat. Psychose et Tifa. Je pense qu'il n'y a pas le temps de tuer Mammouth, mais jeu, ça serait d'essayer quand même. Je pense que certains ont réussi à tuer Mammouth, enfin vont réussir parce que là, Tifa, il a perdu 40 secondes, quoi. 30 secondes, et je pense qu'avec 30 secondes. La bonne strat de Taker, je pense. Ça va quand même tenter la strat. Je pense que Mammouth, il va pas lui manquer beaucoup de temps, Tifa. Il va regretter d'être. D'être mort, évidemment, à Eagle. Bah c'est rigolo parce que Tifa a quand même dépassé Psychose sur le combat, c'est un truc de ouf. Alors je me suis remis un peu plus fort parce que mon micro a la fâcheuse habitude d'adapter son niveau, donc normalement je sais pas, je suis peut-être un peu plus fort, mais peut-être que vous m'entendiez mieux, désolé. Est-ce que Tifa va avoir le temps? Zigouigoui, il avait le temps de battre Mammouth, il a fait une erreur de menuing, il est pas allé voir Mammouth. Ah, c'est pas de chance. Ah là là, je pense que tout le monde va faire le même score. Là, la race, il reste plus que 20 secondes, hein. Tifa va-t-il y arriver? J'ai l'impression qu'il est trop juste. Taker qui valide au moins deux boss, hein. Jante aussi, Psychose aussi, Tifa aussi. Tifa, c'est vraiment trop juste. Il a fait une énorme erreur quand même, Tifa, qui lui coûte des points. Ouais. Points. Mais et du c'est coup, sûr qu'il y a des gens qui ont fini. Hein. Quelqu'un a réussi là avec. Tu rajoutes 40 secondes. Je pense que Mammouth il est battu, quoi. Donc on va voir si des gens, à la fois, faut être un bon joueur et pas être mort. Allez, bon, c'est meurt, fini. Bon, peu importe. Allez, c'est fini. Donc du coup, bah, Tifa, c'est pas de chance. C'est ça qui manquait. Hein. Il manquait pas beaucoup. Hein.
Ouais, il manquait vraiment pas beaucoup. Voilà, donc il va pas pouvoir le battre. Il le sait, les 10 minutes sont écoulées. Voilà. Psychose aussi, ouais, il leur manquait vraiment rien. Et comme quoi, une petite erreur et tout fout le camp dans cette catégorie. En tout cas, du coup, les gens, vous allez pouvoir préparer Metal Slug X pendant que, du coup, là, préparez votre jeu et puis qu'on mettez votre complétion. La mort rigole, c'est sûr. Attendez, je suis obligé de préparer une scène qui capture les scores parce que ça va être embêtant si on n'a pas ça. Déjà, je peux le faire à l'oral le temps que ça se remplit. En tout cas, la prochaine épreuve, c'est Metal Slug X en 10 minutes. Pareil, ça devrait rééquilibrer un petit peu le niveau sur Metal Slug X. Mm-hmm. Alors, Hop Koury, il a fait une erreur, il y a 220 points, je dis. Ah. Il a mis 10 minutes 32. Non, mais il a arrêté son timer à 10 minutes 32. Donc, quand il a cliqué sur J'ai fini, ça a soumis le 10 minutes 32. Ah oui, 32, c'est vrai. Donc, c'est le problème du format. Évidemment, ça va arriver. Donc, les runners, vous les voyez sur votre écran, vont setuper leur nouveau jeu. Et moi, je vais essayer de vous préparer une petite capture. Oh, Armantis, il a 46 points. Il a tué 3 boss. Armantis, du coup, Armantis qui du coup gagne un petit peu de. Prend quelques points d'avance là, Armantis, il a 11 points d'avance. C'est vraiment bien ça. Donc. Il a réussi à tuer combien ? 3 boss. Ah, c'est le seul qui a réussi à tuer 3 boss, c'est ça ? Ouais, donc Armantis il part, il a 46, il a 11 points d'avance, mais le problème c'est qu'Armantis n'a pas Metal Slug de mémoire. Parce que les favoris, en fait, les favoris c'est Tifa, Taker, Kushas, Draconis, Jean de Psychose. Le seul problème c'est que Armantis de mémoire il a pas. C'est ça, Armantis, il a pas Metal Slug. Ceci dit, sur un format 10 minutes, je pense, Twin, que ça rééquilibre un peu. Quand on n'est pas très très bon, souvent, sur les premiers niveaux, ça se sent. Enfin, sur le premier niveau, ça se sent pas moins. C'est vrai que sur le deuxième, ça peut se sentir quand même. Tsukimo aurait le temps de terminer pas mal de niveaux en 10 minutes. Mais nos runners, je sais pas ce qu'ils vont être capables de terminer. Niveau 4, je pense, pour les meilleurs. Et niveau 3, pour ceux qui font une erreur. Donc, je pense que les 10 minutes vont bien tomber à peu près sur tous les jeux. J'arrive pas du tout à capturer le tableau. Parce que, en fait, Chrome empêche. Est-ce que j'ai un Firefox qui traîne ? Ah, peut-être. Mais sinon, de toute façon, les résultats, on va vous les remettre de toute façon dans le chat. Déjà, la plupart des runners sont soumis. Donc, on a. Je vais pouvoir. La plupart des runners sont prêts. Alors, je vais regarder du coup. Ah, je peux vous faire comme ça. Trop bien. Ah bah du coup, je vais faire le tournoi. Parce que du... Comment je peux arrêter la race que... Ah non, je vais... Et... Ouais, la plupart des runners, en tout cas, ont écrit. Magnifique. Je vais pouvoir vous capturer ça va être trop beau. J'avais pas du tout pensé, évidemment. Ça aurait été trop bien. Alors, hop là. J'ai vu un digeste qui était arrivé. D'ailleurs, bonjour. Il va arriver. Alors, je vais juste poser une question. Hop. Parfait. Je vais vous faire une magnifique capture du top 10 et les autres, ils seront pas là. Il faut arriver dans le top 10 pour être mentionné dans le stream ce soir. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok. Donc là, les gens sont en train d'installer... Est-ce que du coup, c'est ça, tu dis, en capture de fenêtre, il chope pas la page ? Alors Chrome maintenant il empêche ça, mais voilà, je vais pouvoir vous faire une magnifique vue où en bas il y aura du coup de façon trop beau, trop belle, voilà, vous le voyez apparaître, la capture des scores. Évidemment je suis pas logué, donc voilà, ça arrive tranquillement, ça va se rafraîchir toutes les 10 minutes. Donc pour l'instant les meilleurs, tu le mentionnais, hein, Armantis, Babas Devultif, Armantis en premier tout seul, et ensuite égalité, Babas Devultifa, Dr. L, Draconis, Frappe, ZC, Jean de Kusha, Sobkuri, Psychose, Sablier, Stiflers, Van, Taker, Vandal, Vinkaiser, Zigwigwi, et ensuite on a un peu plus loin des gens qui ont réussi qu'à faire 23 points...
Et puis des gens qui n'ont fait que l'intro. Donc on a 31 personnes qui participent à ce format déjanté qu'on va enchaîner avec Metal Slug Geek, ça va être fou. Alors du coup, j'ai posé la question, parce que normalement il m'avait dit que je pouvais lancer la race, et là je trouve, je veux pas, j'ai pas le bouton qui apparaît. Normalement on est pas sans, on peut ne pas avoir à attendre la fin de la race précédente là. Ou alors c'est parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas rempli leur temps, normalement on s'en fiche. Alors. Mais oui, je vous affiche tout, évidemment, Zigouigoui. c'est ça, un premier, 48 milliards de deuxième. Pas mal d'erreurs, une race très surprenante, j'ai trouvé. Ah oui, j'ai compris la vérité. Ah, c'est peut-être maintenant, en fait, c'est moi qui m'a. On peut le faire, mais j'avais compris le truc qu'il m'a dit à l'envers, en fait. Ça, c'est de ma faute, alors. Donc il faut que ce soit un tournoi officiel pour pouvoir le faire, c'est ça? Ouais, ça va être ça, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai compris le contraire, mais. Ok, bah je vais juste changer ça dans les paramètres et on va pouvoir lancer du coup lancer cela. Ok, j'ai juste inversé du coup le paramètre. On va devoir attendre 35 minutes. Ah mais on va avoir beaucoup de choses à dire sur Metal Slug X, gens qui s'entraînent. Là pour le coup pas de routing hein, donc, et pas de possibilité de finir le niveau 5, même le record du monde. Donc le mieux à faire c'est 4 missions. Ah non mais je l'avais décoché pardon. Hop là. Ah ouais, bon bah. En fait, j'avais bien compris, on s'était bien compris, mais je ne l'avais pas fait, parce que j'ai dû créer deux fois le tournoi, je pense, c'est pour ça. J'avais annulé une première fois. Donc en fait, non, on s'était bien compris, mais c'était une erreur de manip de ma part. Donc pas de souci. Donc là, je peux lancer la raid. Donc là, je lance, vous avez 2 minutes maintenant. Hop là. Ça, on peut faire le blabla. Donc pour les autres épreuves, ça ira plus vite du coup. Donc voilà, ouais, les gens s'entraînent sur. Parfait. Sur Metal Slug X, donc Metal Slug X, tu dis vraiment les meilleurs vont terminer le monde 4. Oui, oui, je pense que là, Tifa, c'est sûr qu'il finit. Quand on fait sub 20, on finit le monde 4 en 10 minutes. Hein. Si j'avais pas la split d'ouvert, je regarderais, mais moi je suis sûr que je le fais le sub 10 minutes sur le monde 4. Ensuite, il y a un palier au milieu du monde 4 avec l'apparition du. Il y a un palier de complétion au milieu du monde 4, on est d'accord, avec l'apparition de l'alien, qui est déjà un palier important. Que tout le monde devrait pouvoir avoir, ou en tout cas finir le monde 3. Après, il y a ces deux paliers supplémentaires-là qui peuvent être compliqués à choper et qui vont distinguer, je pense, il y aura trois groupes de gens, ceux qui arrivent à tuer le boss, ceux qui arrivent à faire apparaître l'alien et ceux qui arrivent simplement à le finir le niveau 3. Voilà, donc c'est vrai que 10 minutes, là, pour le coup, c'est moins sévère, entre guillemets, à temps égal, on peut aller beaucoup plus loin comme dans Metal Slug que dans Mega Man X, hein, parce que pour rappel, hein, Mega Man X, le record, on est à 31-21, quand pour Metal Slug X, on est à 16-36 de mémoire, donc là, on va pouvoir parcourir une grosse partie du jeu. Mm-hmm. Bah, là, ça va être la même chose, en gros, le routing n'a pas à être adapté, puisque c'est un jeu vraiment linéaire, pour le coup. Les morts vont, j'ai envie de dire, peut-être être encore plus punitives, vu qu'il y a que 10 minutes, faut les morts au monde 2, enfin soit être en momie au monde 2. Ouais, elles sont trop méchantes. Et puis surtout, on est sur des mondes qui sont vraiment faisables en deathless. Et donc, normalement, quand on fait du routing et qu'on s'entraîne sur le jeu, on sait faire du deathless sur ces niveaux-là. Donc, ça va être très punitif. Alors, il y a déjà des gens qui sont en train de dire oh, je suis 31ème. Ça veut dire qu'il a battu un robot de moins, c'est ça. C'est vrai que ça va très très vite. Il y a des gens qui ont fait que l'intro. Ah oui, tout de suite. Ah oui, mais en même temps, Megaman, tout le monde n'avait pas bossé, mais au moins déjà, ça fait un différentiel de points moins important. Hein, parce que, entre voilà, 12 et la plupart ont 35 dans les meilleurs, donc ça fait quoi? Ça fait 23 points. On peut encore remonter la pente. C'est ça qui est bien. Choix intéressant, comme on n'a fait pas le niveau 5 avec les manivelles, les personnages féminins sont un tout petit peu plus lents sur les manivelles, donc en général il y a une presse de moins à faire quand on mâche, donc on les prend moins souvent en speedrun, et donc là on a Fio et Eri du côté de Tifa et Psychose, ce qui est très mignon comme clin d'œil. On a déjà eu une mort, j'ai l'impression, j'ai vu ça d'un coup d'œil chez Psychose, ouais, non, je crois. C'est bon. Normalement c'est vrai que le niveau 1 il est assez gratuit, on prend l'arme. Il fait directement la bonne strat, il va utiliser son machine gun, il va prendre le C que après. Il va essayer de faire les bonnes strats. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de strats dès le niveau 1 quand même. On va avoir l'hélicoptère après, on va avoir pas mal de trucs. Il y a moyen quand même de gratter un peu de temps. Ouais, il y a beaucoup de temps à gagner quand on fait le niveau 1 parfaitement. Le record du monde, il tue le boss à 1-10. Moi je considère qu'un bon run c'est une 18 quoi. Et que. Et oh, il y a des gens qui meurent déjà.
Attention, le temps défile. Taker et Tifa en avance. Et oui, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a un palier de complétion quand on arrive au train dans le niveau 5, et celui-là, il est faisable aussi. Mais ça commence à devenir très sérieux comme niveau, c'est vraiment zéro erreur, quoi. On est au boss, on est donc du coup avec le Metal Slug, là, Tifa, voilà, on va bien utiliser toutes les cartouches, tous les obus. Boss vaincu, ouais, assez clean, hein, du coup, moins d'une minute trente, c'est bien. Mm-hmm. Psychose, on voit qu'il est moins bon sur le jeu, hein. Je vais regarder ses PB, mais Psychose, évidemment, c'est pas son... Metal Slug, oui, je me suis trompé, c'était pas Metal Slug, je disais tout à l'heure. Metal Slug, il est un peu moins bon. Il est mort une fois déjà, j'en t'ai mort deux fois. C'est ça, non, parce que du coup, dans les jeux qu'il n'y a pas ce soir, il y a Trackmania, Lovely Planet et Left 4 Dead. J'ai dit par erreur en fait Metal Slug alors que c'était la deuxième épreuve. Mais du coup, non, Metal Slug, il est un petit peu plus faible, c'est son jeu le plus faible, donc c'est normal qu'il théoriquement il va perdre quelques points ici. Mais voilà, le gros va jouer quand même ici la mission 2 qui est quand même du coup assez. Assez compliqué avec ces momies. J'ai toujours trouvé ça surprenant d'ailleurs, comme c'est des ennemis vraiment intéressants, qu'ils aient pas plus mis ça ou remis ça un peu plus tard dans le jeu, quoi. Parce que c'est vraiment des ennemis pénibles. Ouais, c'est très. Enfin, ce jeu a pas mal de gimmicks comme ça. C'est vrai que ce niveau est très très différent, mais il est très bien construit. C'est mon niveau préféré, je crois, et c'est celui que je déteste le plus en speedrun parce que c'est le plus technique, je trouve. Ouais. Sur les mouvements nécessaires et l'enchaînement et même l'économie des balles, la route optimale est folle. Regardez ici chez Tifa, on va avoir beaucoup de sauts sur la montée de la tour. C'est clair. Et Psychose là qui remeurt, donc il va commencer à perdre pas mal de temps. Ouais, à falloir faire attention parce que c'est vrai que ça pourrait quand même, on rappelle, hein, normalement il y a 150 points par la complétion, donc ça fait quand même beaucoup de points. Et c'est un jeu sur lequel ouais, y a des gens qui vont facilement creuser 10, 20, peut-être 30 points pour certains. C'est quoi, faire gaffe. C'est pareil, hein, c'est 12 points par palier. Donc il y a des paliers qui sont relativement courts puisqu'on a essayé d'inclure plus de paliers histoire que la complétion soit un peu plus discrète. Mais ouais, c'est vrai que là, ça va. Y a un écart qui va être assez majeur entre ceux qui arrivent tout juste à finir le niveau 3, voire même ceux qui n'arrivent pas à finir le niveau 3 et ceux qui vont jusqu'à... loin dans la mission 5, quoi. Bon, ce qui va être décisif aussi, c'est les quelques malins qui ne réussiraient pas la strat 100%, c'est-à-dire l'invulnérabilité contre le boss. Faut vraiment la réussir parce que là, ce serait vraiment dommage. Ouais, ça ferait pas être beaucoup de temps. C'est fait chez Tifa, il avait énormément de grenades à disposition. Tifa, c'est vrai que la vache, il est bah, parmi les personnes qu'on stream aussi. Hein, il a un 19,58 sur Metal Slug. Taker, hein, en fait, il a l'avantage parce que de tous les meilleurs du décathlon, très peu en fait sont vraiment bons à Metal Slug. Quand on regarde en fait les meilleurs du décathlon, donc là j'ai sous les yeux les trois premiers, le cinquième, le sixième et le huitième, et ben ils ont tous entre 175 et 184 sur Metal Slug, ce qui est bien, mais du coup ce qui est pas très très bien. Et par contre Tifa il est à 19,58 et le deuxième meilleur est à 23,02 dans les meilleurs du décathlon. C'est un jeu en gros, les gens ils l'ont pas, les gros décathloniens l'ont pas encore taffé hyper sérieusement, si je m'en fie aux chiffres en tout cas. Ouais, c'est rigolo parce que c'est un peu surprenant même. Ouais, c'est étonnant, mais en tout cas, on a tous les meilleurs du décathlon, on a le premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, huitième. Alors peut-être que le quatrième et le septième l'ont bossé, mais en tout cas, quand je dis pas bosser, ils ont 23 minutes, mais c'est-à-dire que ça fait des points perdus dans plein de tournois. Hein. Ouais, tout à fait, ouais, ça risque d'être compliqué, j'ai ça, parfait. C'est sûr, s'ils race contre moi en par équipe, ils me roulent dessus, quoi, mais... Ouais, mais sur ce format-là, en fait, on l'a vu, Armentis qui a réussi à prendre 12 points déjà, c'est énorme. Et c'est donc, clair. Là, Tifa qui s'envole pas mal. Regardez, il a déjà quasiment un palier de complétion d'écart avec Psycho, avec Dante même. Psycho, ce qui a raté la strat 100% que tu mentionnais. Et c'est la mort pour Tifa. Puis... 30 bombes qui s'envolent. Enfin, 20 bombes qui s'envolent, puisqu'on revient avec 10. Donc là, il a perdu un peu de temps. Hein. Il a pas réussi la meilleure strat. Là, il a perdu même beaucoup de temps parce que il a pas de bombe pour ce boss qui risque d'être relativement pénible. Il va sans doute devoir se suicider plusieurs fois. Ouais, là faut mourir Tifa, voilà c'est ça. Et donc là il va pouvoir se faire rattraper par Taker qui meurt aussi du coup. Attention, les petites morts, le format je pense qu'il est vraiment stressant. Et puis le no reset sur Metal Slug est quand même très exigeant, hein. C'est un jeu sur lequel on a souvent le reset facile quand on grind. Je sais pas jusqu'où j'irai, c'est marrant parce que je sais que c'est complètement faux. J'allais dire j'ai à peu près le niveau de Psychose en fait. C'est sûr que de manière relative j'ai l'impression que Psychose est lent. Alors quand je regarde son PB, je vois qu'il est beaucoup bien meilleur que moi. C'est juste qu'en fait, à côté de, par exemple, Tifa ou Taker, il est bien plus lent. Mais il a quand même,
un 24 minutes 20, donc c'est marrant les impressions que peuvent produire en fait les effets de vitesse ou de lenteur qu'on peut avoir, c'est vraiment une notion très relative quoi. Allez, donc le slug. Jean n'a pas réussi à récupérer les grenades, donc il a ses cailloux ici, il a oublié de prendre ce que donne le prisonnier. Il va devoir mourir, c'est pas très grave, il avait plus de ressources de toute façon. Attention, il continue de se creuser. Tifa monte sur le boss là, du coup voilà, on va utiliser, on saute, on tire le boulet psychose. Il est au petit bateau là. Taker va bientôt arriver au boss lui. Un moment relativement pénible, les bateaux. Heureusement, il a eu la chance d'avoir un ennemi chaser, Psychose, qui est toujours bien. Il est mort juste derrière, mais c'est bon, les bateaux sont morts aussi, il va pouvoir continuer. Jante mort au mini-boss. Psychose qui a pas réussi à faire apparaître les cailloux ici. Il y a des grenades qui apparaissent si on tire dans le chariot à charbon. Ah, et il a fait la même erreur que Jante, il n'aura pas de grenades supplémentaires à cet endroit-là. Ouais, beaucoup de pertes de temps chez Psychose et on est déjà au niveau 4 chez Tifa qui va avoir le temps de le finir hein, malgré les toutes petites erreurs qu'il a faites, en particulier la mort qu'il vient d'avoir. Il va rester 2 minutes 40 pour le niveau 4, c'est largement suffisant. Ouais, là ça devrait effectivement lui faire quelques points en plus. Bon, après c'est vrai que nous pour nos complétions il y a des niveaux qui sont divisés, il y a des soumissions, donc pour la complétion c'est vrai que ça peut aller. Mais ouais, deux niveaux de retard, ça commence à faire pas mal de points. Ouais, deux niveaux de retard, ça fait 36 points potentiellement sur ce jeu, vu les complétions. Donc, va y avoir un vrai écart. Armentis va-t-il réussir à conserver son avance? C'est pas sûr, parce qu'il a pas encore appris le jeu. Hein. Il jouait vraiment de façon casu détente tout à l'heure, en découverte. Ouais, mais en bourrant, tu peux au moins faire le niveau 3 peut-être en 10 minutes. Oui. Donc ah, oui, mais il va perdre du temps par rapport à Tifa qui a déjà validé au moins un niveau de complétion de plus par rapport au boss du niveau 3. Et là, on va se diriger vers le boss du niveau 4, ça sera deux de plus. Je sais pas si quelqu'un arrivera à valider le début du niveau 5 par contre. Ouais, ça paraît, ouais. Même si dans le speedrun, c'est vrai que c'est toujours curieux. Moi, c'est un speedrun, quand je le fais, j'ai toujours l'impression qu'on va vite. Parce qu'en fait, les derniers niveaux sont très longs quand même. Hein. Et donc du coup on se dit oh là putain je dois être en avance sur mon temps, sauf quand on est les splits on sait que c'est pas le cas, mais les derniers niveaux sont très longs, il y a beaucoup de soumissions notamment pour les derniers niveaux, donc Ouh, Tifa qui meurt ici, attention, ça va lui peut-être coûter un palier de complétion ça, parce que ici ça va être très très long, il a simplement son heavy machine gun plutôt qu'un gros lance-flamme. Oh, il va forcément battre le boss, il reste une minute. Ah oui, non, mais il va battre le boss, mais le palier de complétion suivant il est pas si long que ça hein. C'est le palier de complétion suivant, il est faisable. Hein, donc, normalement, enfin, le record du monde en 10 minutes, je pense qu'il finit la mission 5, évidemment. Il a remort et il se fait rattraper par Taker. Je suis sûr que quelqu'un a déjà est devant Tifa, là, mais bon, peut-être pas parmi les meilleurs. Taker qui va arriver avec, a priori, du coup, une bonne arme, il va bien l'optimiser. Ah, le lance-flamme, c'est ça qu'il faut à cet endroit-là. Voilà. Il a des grenades, il a beaucoup de grenades, même. Voilà, donc ça va... Mais ouais, enfin, la perte de temps de Tifa là, est assez folle parce qu'il avait beaucoup, beaucoup d'avance sur Taker. Et voilà, maintenant, là, il faut réussir à nettoyer les hélicoptères. Ouh, Tifa qui se plombe sans mêler un peu les pinceaux, qui n'a pas réussi à récupérer le slug hyper vite. Et bah, Taker va rattraper pas mal de temps, effectivement, ici. Hein. Wouah ! Là, mais ça s'est vu, je pense que c'était très visuel, là. Il a écrasé le boss, il a écrabouillé le boss avec son lance-flamme, il a rattrapé facilement 30 secondes sur Tifa, quoi. Tifa, c'est fou. Il reste 20 secondes. Là, il faut utiliser tous les trucs. Il n'utilise même pas le slug. Tifa, il fait la meilleure strat. Il a raison, potentiellement. Il va rester quelques secondes. Ça va pas suffire. Ouais, c'était vraiment très, très dur de réussir à aller jusqu'au train. Et non, là, ça va être terminé, là, quelques secondes. Mais du coup, Taker aura eu le temps de valider le boss. Et c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Fini. C'est terminé les gens, donc prochaine épreuve, donc les spectateurs et les runners, la prochaine épreuve ce sera Super Ghouls and Ghosts, donc du coup vous allez pouvoir relancer votre émulateur Super Nintendo. Là du coup, faudra viser le Deathless je pense, en tout cas sur Super Ghouls and Ghosts, faudra pas, si vous n'avez pas le poignard, faudra... Et jusqu'où on va Super Ghouls and Ghosts en 10 minutes? Oh, on peut valider les bons joueurs, en fait ça dépend, le 3 c'est easy si on est bon, valider le 3 c'est easy. La mission 5 dure déjà 5 minutes, ouais, la mais mission le... 2 pardon dure 5 minutes, la mission 1 dure un peu moins de 2 minutes, la mission 3... Je pense qu'on peut c'est valider le 3, easy. Non mais c'est easy, validable, non. Mais... pas pour moi. Après le record du monde je pense qu'il valide même la mission 4, quoique la mission 4 est très longue.
Je dirais que le record, non, il valide. Je pense pas. Il faut que je regarde le record avant pour pouvoir faire des pronostics. Et juste, je pense pas quand même. Je regarde valide. Ça. En 10 minutes. Ah mais c'est 15-28. C'est 15-30, hein, donc ça va ouais. vite. Hein, il faut quand même. Mais le problème, c'est que le 2 et le 4 sont des. Je pense qu'il finit 4-1, c'est quasiment sûr. Il y a des gens qui viennent de découvrir que le checkpoint du niveau 4 c'est à l'alien. Enfin, il y a des trucs comme ça, parce que oui, il y a des gens qui n'avaient pas soumis de complétion, voilà. Ils découvrent. Alors, ah ouais, 10 minutes. Ah non, mais 10 minutes, il n'a pas fini le 4-1 en fait. Yuganon. Bah, c'est ça, donc il va falloir viser le 3, les 3 premiers, c'est ou chaud, la moitié hein, du 3. Parce que la moitié du 3. Du monde, le record du monde est à 9 minutes. Bat le boss du 3 après 9 minutes. Le record du monde. Ouais, donc, bah ça fait une 3, minute de marge. Ouais, mais c'est super chaud, une minute de marge, sachant que les runners ont au mieux, c'est quoi le meilleur temps? C'est genre 17 minutes le meilleur temps de l'UD. Ouais. Et le record du monde, c'est 1 minute 30 plus rapide que ça. Donc, ouais, non, si c'est on divise c'est par une... 2 la longueur du run, ça fait 45 secondes d'avance. Donc en gros, je pense que le meilleur split des runners sur le niveau 3, c'est genre 9:30, un truc comme ça. Non, je pense que ce qui est jouable par contre, c'est faire la moitié du niveau 3. Oui, moitié du niveau 3 très jouable, fin du niveau 3 très dur, je pense. Ouais, c'est clair. Il va falloir aller chercher ce truc là. Donc en gros, les gens, vous allez pouvoir vous préparer. On va vous laisser un petit peu de temps quand même, le temps que les gens soient prêts sur Super Ghouls and Ghosts. Allez, je vais les pronostics. Combien tu penses qu'il y a de gens à la première place? Je viens de regarder, donc je te dis pas. Et après, j'affiche le tableau. Ah, pardon, bah non, j'ai regardé ce côté, mais j'ai affiché aussi. Mais personne ne s'est détaché, personne n'a fait l'objectif que tu pensais possible. Qui était possible, hein. Mais... Ouais, qui était possible, mais qui était vraiment très difficile. Mais personne, mais du coup, effectivement, sur si on regarde du coup Metal Slug, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runners à 81 points. On a ensuite le palier d'après, c'était 69. On a que 2 runners à 69 points. C'est marrant, j'en ai 15. Il y en a 2. Ah oui, j'ai pas trié. Ah oui, il y en a 2, pardon, il y a Jean et Metallo. Alors, mais Armentis du coup se classe pas trop mal, même s'il a fait 58 points, donc un assez gros écart avec le peloton de tête. Ouais, carrément. Puis après, bon, 58 points, ça reste là où il y a le plus de runners, c'est-à-dire ils ont validé le 3-2. Mm-hmm. Alors après, ceux qui ont validé le 3-2, est-ce qu'ils connaissent bien la balise du 4-1, qui est pas forcément évidente, parce que je sais pas, il y en a qui posaient la question. Il y en a peut-être dans le tas en fait qui peut-être, mais bon, maintenant it's too late. On a la plupart des runners quand même ont fait au moins 46 points, donc c'est vraiment pas mal. Et donc si on regarde le total à l'issue des deux jeux, donc sans surprise, pour l'instant c'est Tifa qui est devant à 116 points, mais il n'est pas le seul. Pour l'instant, on a premier égalité, Tifa, Draconis, FrapZC, Kouchas, Svan, Taker, Vinkaiser. Ouais, donc pour... égalité à 116, là c'est trip ordre alphabétique en fait, hein, mais... va falloir se démarquer sur le reste. Donc Super Ghouls and Ghosts, ça va pas être le gros jeu de la démarcation, je pense. Oh, peut-être bah un niveau d'écart, mais j'ai l'impression que les 7 meilleurs sont très bons sur Super Ghouls and Ghosts quand même. Ouais, mais faut être régulier, donc il pourrait y avoir des petits accidents. Hein. C'est ça, ouais. La dague du début va coûter trop trop cher. Et Trials, par contre, on verra juste après ce jeu, mais il y aura une vraie démarcation, parce que là, ouais. C'est beaucoup plus discret, hein, y a beaucoup plus de niveaux. Donc faire un niveau de plus, il y aura l'écart qui va se marquer très fort, je pense. Alors Armentis, il est dixième, hein, qu'on avait présenté. Et parmi les quatre favoris qu'on a là, donc du coup Tifa premier, je regarde Jante, il est huitième, donc enfin, il est huitième à 104 points, il est pas bien loin. Taker, ah, il a réussi à remonter Taker. Venez, il avait fait 35, il s'était planté, mais tout le monde s'était planté sur Megaman entre guillemets. Donc Taker, il est également pas mal parti. Les premiers ex-aequo et Psychose. Psychose, il est un peu derrière, j'imagine, il est 13e à 93 points, mais c'est pas bien loin, là tout est resserré en fait, donc je pense que pas mal de choses sont possibles. On va lancer du coup, la race, hop, Super Ghouls and Ghosts, hop. Alors je vois que les gens par contre sont pas, ne sont pas du tout prêts sur Super Ghouls and Ghosts, parce qu'ils sont pas, alors... Donc on va lancer... Attention, il a le temps du chrono. Hop là. C'est lancé pour Super Ghouls and Ghosts. Donc ça va partir dans 2 minutes. Ok.
Donc, n'oubliez pas de rafraîchir ouais, votre navigateur si vous voyez pas le décompte. Je sais que de temps en temps, hein, c'est assez rare, mais il y a des personnes qui ne voient pas les décomptes, qui partent un peu en retard. Kouchas qui voudrait être en restreamé maintenant qu'il est devant. Et non, ça ne suffit pas, il faut encore plus se démarquer, il y a trop d'égalité pour le premier. C'est clair. C'est ce qu'on a dit, hein. Si vraiment Kouchas, par exemple, tu brilles, t'es le seul à valider le niveau 3 et qu'après tu fais une perf incroyable, ben, on te voit normalement, Voilà, et que les autres échouent, mais pour l'instant c'est vrai qu'on garde le focus sur ces 4 joueurs, mais si vraiment par exemple ils devaient tous se planter, par exemple là Jean, Tifa, Taker, imaginons Psychose, ils échouent tous, ils passent pas le premier niveau de Ghouls and Ghosts, ils se font tous dépasser, ça pourrait arriver bien sûr, parce que c'est vrai que le niveau 1 de Ghouls and Ghosts est assez, assez violent quand même. Ouais, ça va être très 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 dur je pense, psychologiquement. De se prendre une mauvaise arme et de pas réussir à avancer. Jante qui fait le niveau 6, il est très optimiste, Jante. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, si on fait un temps sur SMB Nuclear Sound, on marque des points de complétion ou juste des temps? Bah, des temps. Bravo. Bravo pour vous. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est juste que les jeux courts, par définition, vont forcément plus peser si vous êtes bon. C'est pour ça qu'ils sont à la fin. Combien on a vu de sub 10 Nuclear Throne? Très très peu. Hein. Assist Cana a réussi à faire une complétion au dernier tournoi alors qu'il est le meilleur théorique sur Nuclear Throne. Donc effectivement, il y a beaucoup beaucoup de points à gagner. Nuclear Throne, heureusement, c'est un système hybride avec 150-50, donc il ne va pas y avoir une différence incroyable non plus. Pour l'instant, c'est Ghouls and Ghosts. Les runners vont repartir sur le game start. Ça va commencer dans 10 secondes. Allez, t'es Paris, CDV. Quel runner finit le niveau 3? S'il y en a un, c'est FrappZC, par exemple, je pense. FrappZC pourrait, mais c'est très dur parce que les gens sur Super Ghouls and Ghosts, à chaque fois j'ai demandé à des runners, il y a plein de gens qui aiment le jeu, mais même eux, ils disent, par exemple, déjà faire un Deathless avec toutes les fast rats, c'est une run sur vraiment plein. Certes, là, il n'y a que le début. Alors, déjà, ça part bien. Taker, il a le poignard. Psychose, Tifa aussi, mais Tifa il est béni des dieux, c'est pas possible. Il a le setup 100%, c'est bon. Psychose, il y a eu difficulté, mais il a le poignard aussi, ça y est, donc on a poignard chez Taker, Psychose et Tifa. Jante qui a un peu galéré sur le début, mais c'est pas grave, voilà, il meurt, on oublie, c'est une mort qui est pas très punitive, il y a encore le temps. Ouh, Tifa qui meurt aussi! Attention, parce que là ça devient quand même très sérieux. Ah là là, tout de suite, la retournement de situation! Et il y a des gens qui ont dit level 3 gratos dans le chat. Hein. Gratos, hein, là, le UDX gratuit est sorti. Ouah, ça y est! Ça, mais Vinkaiser peut le faire, c'est un très bon runner, mais gratos quand même, en 10 minutes, c'est, un peu... c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. On est sur une run sub 19, hein, si on continue sur cet élan. C'est ça, la question, c'est si vous faites un début de run parfait, est-ce que vous interrompez votre tournoi pour grinder votre PB? Non, parce qu'il pourrait même être en retard par rapport à son PB. Oui, mais si, c'est pour ça que j'ai précisé un début de run parfait, pas un début de run correct. Gens disent, ouais, Mario, prends tes 100 points d'avance. Alors évidemment, moi je dis une victoire parce qu'on a fait sub 10 à Mario en tournoi, mais de toute façon, ça vaut toutes les victoires du monde, hein, effectivement. On en a vu peut-être un ou deux des sub 10 de Mario en tournoi, donc. Bah c'était au début en fait quand les gens avaient beaucoup bossé le jeu, quand vraiment tout le monde était à fond. Il y avait tout le monde était à fond sur ce jeu quand il y avait notamment on avait mis l'accent sur le triathlon, on avait pas mal de gens qui étaient réguliers. Puis après on a vu que ça se perdait vite quoi. Alors pour les gens qui demandent, quand Tifa est mort, il n'a pas eu besoin de retrouver un couteau dans Super Ghouls. Oh, Tifa qui fait non, les strats. Tifa, ah non, Tifa. Ah, c'est dur, là, il se fait dépasser par tout le monde, il perd beaucoup de temps. Et donc quand on meurt dans Super Ghouls and Ghosts, vous le voyez, on recommence directement avec un couteau, on n'a pas besoin de refarmer une arme. Et là, très très punitif pour Tifa qui n'a toujours pas validé de palais de complétion, alors que Taker en a bientôt validé deux et que Jean t'a validé le premier. Alors la blague, ce serait que Tifa, qui d'habitude ne se foire jamais en tournoi, du moins quand il y a des étoiles, là peut-être qu'on va voir que quand il n'y a pas d'étoiles, il perd. Mais ceci dit, je pense que pour la blague, il pourrait faire ce soir le sub 10 Mario en tournoi. Juste pour montrer que... Ça serait très drôle. Mais en plus, il a fait un très bon temps. Il a fait un 9,50 tout à l'heure en grind. Son 9,50 PB aussi, il l'a fait en tournoi. Donc techniquement, ouais. C'est possible. Mais ça me ferait beaucoup rire, ça. En fait, ça m'est... Ça enverrait un signe aux adversaires, c'est que même quand ça part mal, ça finit bien. Ça serait bon pour la légende, en tout cas, effectivement. Taker déjà au niveau 2, Jante qui arrive au boss, Psychose à la fin du niveau 1. Donc Tifa, c'est rare de le voir complètement dépassé par les événements comme ça. C'est clair. Alors, il y en a qui posent la question, c'est un... Ah non, mais Tifa, ouais, Tifa, là... Bon, il n'y a pas énormément de points à perdre non plus si on passe pas le niveau 1 dans cette... Il y a quoi? Il y a 6 x 12 points, il y a que 72 points. Oh, ça fait.
C'est 72 points à la fin du niveau 3 déjà? Non, c'est pas possible. Non, non, c'est beaucoup moins. C'est 14, il y a 14, c'est 7 points, 7, 14, enfin 7 points par niveau à peu près. Ah d'accord, donc pardon, donc c'est 7 fois 6, 42 points. Ouais, c'est ça, c'est à peu près la moitié, donc c'est normal. 42 points à perdre ou à gagner. Le cap aussi, hein, c'est pas le plus dur, mais c'est le 2-2. Une mort au 2-2, c'est fini. Donc il faut vraiment... La pression est encore plus grande que d'habitude. Ouais, on il faut voit, passer. Il reste 6 minutes 20 là, c'est vrai que ça défile vite. Hein. C'est pour ça que je pense que notre palier, quand on a dit valider le 3-1, ça semble vraiment bien. Ça se trouve, personne va y arriver parce que tout le monde meurt une fois. On a remarqué en race, hein, c'est rare les deathless quand même. Les gens... Voilà, Tifa maintenant qui va mollo. Mais il a raison là, il va pas retenter le saut là, il... Tifa, il a quand même l'intelligence de la compétition en général et il joue beaucoup pour gagner, enfin en tout cas deux manières à gagner. Et donc ça m'étonne pas de sa part de se remettre un petit peu les pieds dedans. Et donc ouais, le but c'est d'arriver le plus loin possible en 10 minutes, c'est pour ça que le timer décompte de 10 minutes à 0. Au lieu d'être simplement un chrono qui mesure le temps, puisqu'on sait, sauf pour Mario peut-être, que, et Nuclear Throne, on sait que c'est très très difficile de compléter... D'accord, mais justement, il y en a qui vont, passer, qui vont être all-in, quoi. Et peut-être ça va être une opportunité pour eux de faire un PB. Le PB Mario en live en sub 10 minutes, ça serait beau. Ouais, c'est clair. De toute façon, on rappelle, hein, tous les tournois, c'est des stratégies de manipulation qui visent simplement à vous donner envie de vous dépasser et de vous amuser. Hein. Allez, Devil Tifa qui est contre le boss. C'est pas trop grave à la limite de perdre, d'avoir perdu beaucoup de temps parce que... Maintenant, c'est chaud de compléter le niveau 5 pour Tifa. Hein. C'est pile 5 minutes. il est long, ce niveau 5. Il y a un très long auto-scroller. Là, le il moindre... Va... Bon, il va valider le 2-1, c'est sûr. Oui. Le 2-2, ça va être un peu light. Un peu léger, mais on verra. Ça, il manquera pas grand-chose. Hein. Ça va dépendre du boss. S'il fait un boss parfait, ça passe. S'il fait un boss pas parfait, ça va être tout juste. On va voir. Psychose dans l'autoscroller, Taker dans l'autoscroller, mais beaucoup plus loin. Ouais, il va devoir faire la fast strat Tifa aussi, je pense. Prendre le dégât, peut-être. Il est vraiment à la seconde. Il va peut-être faire le 8. Non, il le fait pas, il joue safe. D'accord, il se dit qu'il y a le temps. Ok. Alors, Taker, du coup, il est déjà en armure d'or. Par contre, il a une arme pourrie. Non, Taker, j'ai cru qu'il allait... chaud, hein. Il était vraiment au pixel. J'ai vraiment cru que Taker. Ah, par contre, c'est pas cool d'avoir cette arme-là ici. Contre le boss, surtout. Ouais. C'est vrai qu'il a pas eu de poignard, hein, donc pas de chance. Psychose est pas mal, il est un peu derrière hein, pour l'instant. On rappelle un Psychose qui, du coup, est un petit peu derrière. Parce qu'on a, 7-8 joueurs qui ont 116 points pour l'instant. Psychose, il est un peu derrière, il est 12e. Il est 3e si on veut. Hein. C'est des points, du coup Psychose, il est 12, 93. Coup, mais... Il est à 93 points pour l'instant. Ouais, c'est ça, donc 19 points de retard, non, 23 points de retard, c'est ça, 116-93 Ouais, 23, ouais. Mais regardez la longueur de cet autoscroller, c'est vraiment terrible, on voit... Moi, le problème, c'est que je vois la différence de in-game time entre Psychose et entre Tifa et Taker, et on voit que Tifa, il y a au moins 2 minutes 15 in-game time à défiler, et donc ça décroît. Taker, il va avoir le temps s'il fait un mois. Par contre, il a vraiment une arme pourrie. Ça va être compliqué. Il peut pas faire le dragon, on rappelle. Hein. Ce boss, c'est pas qu'il est difficile, mais déjà, si on meurt, c'est très punitif. C'est très très difficile d'éviter ses torpilles, parce que comme ça bouge, il faut anticiper, il faut faire des sauts. C'est un jeu assez rigide. On a certes un double saut pour compenser. On a un petit bruitage qui nous dit quand il a fait un truc. Mais... Pourquoi il a fait de la magie, Taker? Donc la magie de l'arc... C'est bon. La magie de l'arc qui fait apparaître les coffres cachés ne servait absolument à rien ici, si ce n'est lui faire perdre du temps pour le beau jeu. On nous a dit que le niveau 3 était UDX gratuit. Il ne reste plus que 2 minutes 30. Allez, Zigouigoui, tu peux faire une complétion niveau 1. T'en es où pour l'instant? Zigouigoui, il est à 93 points. Faut pas... Il y a 7 jeux, de toute façon. Tu peux te foirer sur un jeu, c'est pas très grave. Tu vas te rattraper, de toute façon, sur Mario et Nuclear Throne. Alors, ça tente. Bah, Taker, évidemment. Non, on va pas quand même. Il veut une nouvelle arme, mais. Il veut une dague, mais il va pas farmer non plus. Là, le but, ça serait quand même au moins de valider le 3-1. Le 3-1 ouais. Qui peut être un peu long à choper. Hein.
Alors, il connaît le cycle des coffres, Taker, c'est très particulier dans le nom. Il n'était pas. Au moment où je dis il le connaît, en fait, il s'en rappelait pas. Donc, il n'est pas doute, sûr. Attention, dit... quand on est transformé, on peut pas descendre les échelles comme démontré. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le cycle des coffres dans Ghouls and Ghosts, c'est vraiment à la fois. Bon, il y a un compromis entre le déterminisme et la RNG, parce que les armes, évidemment, ben, les premières armes, le début de cycle, vous n'êtes pas sûr de l'arme que vous aurez, mais une fois que vous êtes, par exemple, vous connaissez bien la grille en fait, de répartition, parce que c'est assez précis, hein, ce que vous avez, ça tient compte de, évidemment, où vous en êtes dans le cycle des coffres, pas mal. Et votre état, en gros, c'est quelle est votre armure, si vous avez le bouclier, vous avez une grille à connaître, vous la trouvez sur le site, hein, ou dans d'autres endroits. Ça permet justement de savoir que si vous pouvez ou devez ouvrir les coffres, parce que vous les ouvriez ou pas, ça compte comme des coffres, ça fait avancer le cycle des coffres. Taker qui est en armure d'or plus bouclier bleu, hein, et donc là c'est un coffre sur deux, c'est une arme, un coffre sur deux, c'est un magicien, c'est vraiment le bout du cycle. On est full stuff et donc le jeu a plus grand chose à nous donner. Et en fin de cycle, évidemment, il y a encore le. Oh non! Taker! Qu'est-ce qu'il a foutu? Bah là, faire gaffe! Il s'est décalé dans ses sauts. Et voilà, et maintenant? Et maintenant? Bah et là, maintenant? Du coup, il va passer le checkpoint hein, sans trop de problèmes. Voilà, faut passer. Mais ensuite, il reste il va plus lui rester le temps d'aller tuer le boss. Tifa va quand même réussir. Bah, il a ce qu'il faut là. Il a fait réussir la fast strat sur le boss. On a une belle fast strat. Jante qui va se dépêcher. Normalement, il n'y a pas de souci. Bon, il va avancer Taker. Il ne pourra pas valider, évidemment. Mais il va pouvoir arriver au checkpoint Taker. Psychose, il a assuré le coup. Il est au début. C'est bon, tout le monde a validé son checkpoint. Du coup, Taker n'aura pas pu bien profiter. Il va juste un petit peu. Il va prendre quelques points à Tifa. Mais il avait un petit peu d'avance, mais il n'a pas pu atteindre le palier d'après. Donc c'est pour ça que ça se suicide un peu dans tous les sens, parce que là voilà, c'est terminé. Et ben globalement, on a quand même du coup quelques personnes qui ont validé le 3-1, ça va leur faire des points, quelques petits points pour se détacher un petit peu du peloton. Hein. Mm-hmm. Mais ça a été récompensé quand même. Mais c'était quand même dur, hein. Moi je pense... Alors non, si Vinkaiser a dit que c'était gratuit, donc a priori Vinkaiser s'il participe au tournoi, il a évidemment. Il participe. Hein. Ah, voilà. Il a dit gratos le 3 kappa, et je pense qu'il n'y est pas arrivé. Donc, on verra. Ah, Armandis qui fait 220 points, c'est magique. Donc, les gens, ils vont rentrer tranquillement leur petite complétion. Donc ouais. Donc là, il y avait à 116 points, il y avait donc 7 personnes. Dont Vinkaiser d'ailleurs, hein. Je rappelle, à l'issue des deux épreuves, Megaman, X et Metal Slug X, il y avait Tifa, Draconis, RapZC, Kouchas, Van, Taker et Vinkaiser qui étaient premiers à 116 points, et juste derrière, Armantigeante à 104. Et après, tout un tas de runners très sympas et très bons à 93, et encore d'autres en dessous. Qui a réussi? On sait que Taker, du coup, lui a réussi, va prendre un petit peu le large, mais pas beaucoup, quelques points, c'est... On a dit que ça faisait du coup 100 divisé par... ça doit faire 7 points par niveau, un truc comme ça. Donc il va prendre un petit peu d'avance, mais qui va vite être gommé, je pense, sur Trials, qui va être, comme il y a plus de balises, comme tu le rappelais, Trials, ça va être un jeu assez décisif aussi, je pense, car comme il y a plus de balises et qu'il y a des joueurs très talentueux sur ce jeu, on pourra avoir des surprises. Mais alors là, ce qui est rigolo, c'est que les gens, est-ce qu'ils vont vouloir gratter des secondes sur les niveaux easy ou alors se planter Alors d'abord les scores, voilà, ils s'affichent, c'est magnifique, les scores sur Super Ghouls and Ghosts. On a deux personnes, un top 2, 50 points, donc ça correspond, si je vous l'affiche là, au 3-2. Ensuite 42 points, ça correspond au 3-1, on en a eu 5 personnes, et après au 2-2, on a eu Tifa, Draconis, Kouchas. Je passe en page 2, il y en a d'autres, Dr. Al, Psychose, De Petit Verne et Nesquik, Senen et Fieltor. Voilà, donc il y a deux personnes qui ont réussi, GG à Vinkaiser et Armantis. Qu'est-ce que ça donne sur le score total, CDV? Alors, sur le score total, du coup, on va avoir quelques personnes qui se détachent un petit peu, et comme on peut voir de manière un peu surprenante, évidemment, Vinkaiser est un joueur talentueux, mais on n'a plus l'habitude là, de le voir forcément premier, et là, 166 points, il a fait une belle perf, hein, on voit 35, 80 et 50 points sur Super Ghouls and Ghosts, mais c'est surtout Super Ghouls and Ghosts qui lui permettent de se détacher. FrapZC Taker, après, derrière, son deuxième, donc c'est vraiment très très bien. Armantis est
repassé du coup. Il s'est hissé, ça commence à se détacher, il est quatrième. Et après, on a ceux qui étaient premiers juste avant, Tifa, Draconis, Kouchas, qui sont à 149 points. Et le top 10, si on regarde les gens qui restent, du coup, on a Jean, Svan, Steffler, ça, voilà, 146, 141 et 135. Ça commence à s'étaler un petit peu. Mais du coup, ça fait plaisir, Vinkaiser. Il y avait du coup un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu en telle forme. Du coup, à partir de moment maintenant, il va chuter. Apparemment, c'était juste pour faire le malin. Ça me fait rire. C'est vrai que je ne connais pas ces PB sur Trials, Castlevania, Nuclear Swan et Mario, qui sont les 4 jeux qui arrivent. Ouais, alors je vais regarder, c'est pas dire que du coup, je vais rajouter Vinkaiser dans la tournée. Mais donc, du coup, par rapport aux personnes du coup qui sont plutôt bien parties. Ouais, Psychose était un petit peu derrière. Sur Trials, Tifa a un 32-27, Taker il a une complétion, 194 points, Kouchas un 33-19, Draconis un 33-53, Jante complétion 194 points, pareil pour Psychose, et Vinkaiser il a 150 points de complétion quand même. Et Armentis 122, donc à mon avis ça va être le jeu de la souffrance, même si vu que là ça va surtout être les niveaux easy qui vont être déterminants. Je pense que ça devrait gommer un petit peu les écarts de niveau. Alors, jusqu'on voit en 10 minutes. 10 minutes, on termine à... C'est 6, mon split. Moi, je termine en 6 minutes, les easy, moi, en deathless. Et après, du coup, on peut valider 7, 8, 9, 10, les 4 premiers niveaux de... Les 4 premiers niveaux du médium. Normalement, on a le temps de faire du coup, c'est ça, les 4 premiers niveaux du médium. C'est un roller coaster un peu long. 10 maps, c'est ça? Ouais, ça fait... Il y en a 8 dans le premier corpus, c'est ça? 8 Ça fait 12, 12 normalement 12. 12 faisables. 12 maps faisables, d'accord. En deathless, ouais. 12 en deathless, je dirais. Alors, du coup... Entre ceux qui s'arrêtent à partir de maintenant et les gens qui commencent à jouer à partir de maintenant d'après leur PB, je pense qu'il va y avoir du changement dans les leads, dans le classement général très très voilà. Vite. Je leur laisse encore un peu de temps parce qu'il est peut-être un peu plus loin à setup. Là, ils ont coupé leur émulateur, ils mettent leur jeu... Après, il y a 2 minutes. Kouchas finit et Tribal Trouble, donc 13 maps à 10-03. Donc, effectivement, ça va être Roller Coaster qui va être intéressant de surveiller. D'accord, donc Tribal Trouble, mais Tribal Trouble, du coup, c'est la troisième. Hein. C'est les rondins de bois juste après Roller Coaster, il me semble. D'accord, donc ça veut dire, non, ça fait moins, ça fait. Ou juste c'est après pas... Station d'épuration, même. Oui, non, c'est ça, parce que c'est pas possible, sinon je suis meilleur que Kouchas, c'est pas possible. C'est ça que je disais Roller Coaster. Non, Roller Coaster, elle est longue, mais en... non, moi je. Tu as avancé, deux maps après. J'ai... Donc, en fait, oui, deux maps après, c'est ça, c'est Tribal Trouble, parce que ça fait machin, Roller Coaster, ça, Station d'épuration, c'est la troisième. Et après, il y a Tribal Trouble, il me semble. Voilà. Là, chaque mort va être hyper décisive. Là, je crois. Donc là, on va lancer la race à partir dans 2 minutes, les gens. Lancement de la race, paf, ça part dans 2 minutes, Trials. Alors, je vais juste regarder, du coup, il y a FrapZC dans la compétition. Alors, c'est vrai que, du coup, je vais regarder aussi son PB, parce que pour l'instant, il n'est pas trop mal placé, mais c'est peut-être un début un petit peu... Ah là là, 106 points de complétion. Ah ouais, mais donc, 12 maps, c'est chaud, en fait, c'est ça. Pardon, je te coupe. Ah non, 12, c'est chaud. C'est pas gratuit. C'est deathless et bien joué. Ouais, c'est ça, parce que le 10-03, donc Kouchas qui fait sub 35, hein, il fait 12-03 à 10-03 à Tribal Trouble, qui est la 12e map, du coup. Bah, je lance mes splits, moi. Chacun ses splits. Je vais regarder ce que je fais, hein, parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Hein. Après, moi, je suis pas un grand joueur de trial, mais le début, je me dis que je peux me débrouiller quand même. Quand même... Tifa qui tente le skip de l'ascension là, en boucle, ça va être peut-être nécessaire de gratter quelques secondes. Ok. Bon, bah, suspense je à 9,59. Bah, c'est ça, je suis pareil que lui, suspense à 9,59. Donc je valide 11 maps. Voilà, donc la 12e map, Tribal Trouble, Kouchas en est à 3 secondes. Tribal Trouble, c'est la 13e map. Bon, à voir, on verra tout de suite. De toute façon, ça va être 12-13 à peu près. Normalement, les easy... Très facile de les valider en 10 minutes quand on maîtrise le jeu. Et voilà. Chaque médium va être des points importants accumulés. 5,5 points par map. Donc ça veut dire en gros soit 5, soit 6 puisqu'on arrondit. Et ça va commencer dans quelques instants. À cette map, on verra peut-être plus clair. Parce que pour l'instant, parmi les personnes qu'on streamait qui étaient favoris, il y a toujours Tifa qui est présent. Il y a Taker évidemment. Le Kouchas c'est pas trop loin, il est pas mal placé. Non, mais on le streamait pas Kouchas et je regardais, c'était par contre Psychose et commence un petit peu à battre un petit peu de l'aile, il est un petit peu derrière. Psychose il est 12e à 126.
commence à accuser un petit retard. Mais là, on va peut-être reprendre des jeux sur les qui maîtrisent mieux. Allez, c'est parti. Taker, Jean de Multifab Psychose, qui va réussir à valider 13 maps? Ah, ça parle d'Elevator Skip, là. Parce que si on est obligé de faire l'Elevator Skip si on veut valider la 13e. Bah, je pense que Tifa va le tenter, hein, puisque c'est ça sur lequel il vient de s'entraîner. Donc, ça serait, pour le beau jeu, ça serait rigolo. Les runners sont très synchro sur cette première map, évidemment. Là, c'est juste le moment de bien reprendre en main la physique du jeu, de recharger les inputs. Dans ce format-là, c'est rigolo parce que là, l'enchaînement se vide, ça fait vraiment, les pauses sont très courtes entre les jeux, il y a quoi, 3 minutes. C'est rigolo parce que du coup, faut vraiment se réadapter hyper vite, quoi. C'est très très rigolo. Alors, Tifa qui a récemment fait son PB en Deathless, Jante qui a, comme on le disait, un bon niveau, et c'est Taker. C'est Tifa qui a le meilleur niveau des 4 en tout cas qu'on voit ici, parce que tous les autres en fait ont des complétions sur le fil 7, ça doit être ça. Donc Psychose, non, il est bon. Ah bah, Atria, il a pas le sub 35, mais il est bien. Pour l'instant, on a Taker qui est le premier, Psychose et Jante qui sont à la frame, et Tifa qui est un tout petit peu derrière. Pour l'instant, évidemment, vu qu'on donne 10 minutes, rien n'est décidé. Les étalons de complétion sont quand même les paliers de complétion sont quand même relativement longs dans Trials. Hein. C'est à peu près, c'est une minute en général. On est à 35 minutes pour 36 maps, donc c'est ça, c'est quasiment pile une minute de moyenne. Ouais. Et c'est vrai que voilà, de toute façon, il faut viser le deathless et faire peut-être quelques strats ici. Dans ce format-là, ça peut être pas mal de tenter quelques strats un peu plus agressifs qu'on tenterait pas dans la catégorie standard, enfin dans le 35 minutes standard, tant pour peut-être valider une map de plus. Ça, pour les bons joueurs, ça peut être pas mal. Alors, le problème, c'est que les strats agressifs font rarement gagner autant de temps que ça, donc je sais pas, je trouve ça difficile mentalement de se dire je vais oser tenter l'agression, à voir. En général, en tout cas, là-dessus que les runners se plantent pour la première fois. Cette map-là, normalement, elle est facile, mais il faut vraiment ralentir parce que si on devient bon, on va trop vite et du coup, on se prend les plafonds. Et donc, faut vraiment y aller mollo, quoi. Psychose qui passe par au-dessus. Taker, ouais, qui est juste devant. J'aime bien regarder les in-game time du coup, mais les gens runners sont très très synchro. C'est très très serré là. Hein. Là, c'est ouf que DSS. Mais maintenant. C'est marrant, ce jeu, il était agréable à commenter, et c'est de mieux en mieux, parce que maintenant, les runners, ils sont quasiment en deathless, quoi. Et la première mort, c'est l'hécatombe, genre « Ah non, il est mort !» 20 runners passent devant lui. Tifa qui fait l'erreur de menuing, non ! C'est terrible ! Petite perte de temps, du coup, imposée, deux chargements supplémentaires, le jeu, qui lui vole peut-être un pelé de complétion supplémentaire, en tout cas. En fait, il est obligé de tenter l'élévateur skip maintenant s'il veut revenir dans la course. Et Taker qui se plante aussi, du coup Taker passe dernier. Jante est deuxième. Tifa troisième. Et Taker qui n'y arrive pas. Psychose qui tente l'élévateur skip. Psychose qui fait l'élévateur skip. Jante qui fait pas l'élévateur skip. Devil Tifa pour l'élévateur skip peut-être. Non. Donc c'est Psychose qui va pouvoir prendre l'avantage. Incroyable. Le gros retour de la situation. C'est mérité, faire l'élévateur skip, il va peut-être faire un palier de complétion en plus et revenir dans la course surtout. Mais c'est parce qu'en fait il a entendu qu'il lui manquait quelques points, là il s'est dit non, là c'est pas possible. Là, je vais revenir dans la course, mais c'est ouf quoi. J'en reviens pas. Faudrait pas se planter. En fait, Taker il a fait le truc qui arrive tout le temps dans Trials. Les runners ont beau être habitués, ils tombent dans le piège. C'est-à-dire qu'on meurt et on appuie un peu plus sur l'accélérateur et du coup on meurt deux fois d'affilée juste après quoi. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'accélération et effectivement on a tendance à trop accélérer, hein, ce qui explique ces deux morts juste après au début du niveau d'avant. Ouais, c'est Oula, c'est très surprenant. Psychose, ouais. Psychose qui prend tous les risques, là il y va à fond. Il a envie de voler au moins une victoire, enfin voler ça serait mérité vu le talent qu'il nous démontre, les compétences, l'entraînement sur ce jeu. Il n'y a rien à laisser au hasard, c'est rigolo. D'ailleurs, il a le fantôme de Puppets Master qui a le meilleur temps du décathlon. Et de Line BNJ aussi. Il a le fantôme des potes. Bonne manière de s'entraîner. Et même des fois, le problème, ça peut être aussi des ghosts faits en tryhard de map. Ah oui, c'est des ghosts, c'est sans doute fait des ghosts en tryhard de map. Hein. Donc le point jaune, c'est son PB. Il est très synchro avec. D'ailleurs, il est même devant là, son PB. J'ai vu un petit speeder. C'est très rigolo de voir les petites pertes de temps. Ce jeu, enfin,
quand on grind à très haut niveau, toutes les micro-optimisations comptent, évidemment. Donc, la moindre prise de boss, de pente, la façon dont on pose ses roues compte. Et donc, on peut vite perdre une seconde ou deux quand on est en condition de race comme ça, en grind aussi, de PB sur du faultless. Parce que la catégorie, quand oh même, là de. Là. Il m'a fait peur, hein, petit cousin. Ouais, c'était chaud sur la fin. Donc, la catégorie du décathlon, hein, c'est de faire zéro faute à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne reprend pas au checkpoint quand on se plante. C'est le circuit. Putain, mais Tifa, par contre, il joue mieux parce que il rattrape petit à petit quand même. Mais moi, c'était une petite erreur de menuing, mais là, il est pas loin, quoi. Il rattrape Jante, qui est lui-même pas loin derrière Psychose. J'étais qu'heure du retard, c'est logique. Mais en tout cas, ouais, c'était. Alors, si l'erreur de menuing, ça peut être après le corpus easy, faudra faire attention à pas se retrouver en train de passer le permis. Faut vraiment faire attention. Moi, ça m'arrive tellement souvent. Ça m'est arrivé. Oh, Taker qui prend la mini-moto. Que s'est-il passé? Je l'ai jamais vu, cette moto. C'est presque plus un easter egg qu'une vraie moto. Est-ce que erreur de menuing ou strat à voir, ou en tout cas, c'est juste pour le beau jeu. Et on voit que cette moto est très lente. Pas beaucoup d'accélération. Je sais même pas s'il peut faire ce saut, en fait. si, ça passe. C'est pas mal. C'est une dernière moto qui se débloque, je sais plus à quelles conditions, il y a plein de trucs à faire. Ouais, la micro donkey, mais je. Ouais, Alors, salut à ceux qui arrivent. Pour l'instant, voilà, c'est assez propre. Hein. Il y a que Taker qui est mort. Les autres, c'était une petite erreur de menuing, des trucs comme ça, mais pour l'instant, c'est clean. Mm-hmm. Mais ouais, ça fait que Psychose a pas mal d'avance finalement. Tifa est deuxième, Jante troisième, et attention parce que Taker risque de la rattraper. L'avantage de Psychose est assez confortable parce qu'on est dans un format où on a que 10 minutes pour aller le plus loin possible. Donc n'importe quelle seconde peut compter. On arrive sur Roller Coaster, map qui peut être longue, attention à la chute. Ouais, c'est un circuit assez facile, tout le monde connaît le, entre guillemets, le petit skip, enfin, l'itinéraire alternatif que tout le monde fait, c'est presque l'itinéraire principal hein. Quand on freine pour avoir une bonne trajectoire, on le verra dans quelques secondes sur l'écran de Psychose, ici voilà, mais c'est bizarre en fait, des fois, si on retombe mal et qu'on va très vite, on peut vraiment en mourir en fait. Si on se retombe, il faut vraiment bien faire attention à atterrir avec les deux roues et pas trop juste avec la roue avant par exemple, parce qu'on peut se retrouver et pas comprendre, on est mort. Donc quand ça arrive, c'est agaçant. Ouh, Taker qui prend un itinéraire un peu alternatif ici. Bon, ah, il est passé par-dessous, d'accord. Ouais, il a beaucoup ralenti un endroit, j'ai même peur qu'il se prenne la route du dessus, mais non, c'est passé. De toute façon, ces jeux, c'est vraiment le jeu de l'attention de tous les instants et de la mort de tous les instants. Si vous vous détachez votre regard de l'écran ou la main de la manette, hein, vous mourrez, parce que c'est vraiment un jeu d'équilibriste, un jeu d'adresse, vraiment, littéralement. Ah, c'est vraiment mince, il y a Vinkaiser qui a un souci, il va devoir arrêter le tournoi, il est écœuré parce qu'il avait l'occasion là d'être premier, mais il a validé 4 maps avant d'arrêter, donc il est quand même content. Il a quand même des points sur le jeu. Psychose qui est dans un moment important, Tifa qui le rattrape, Jante aussi. Allez. La station d'épuration. On passe ici, il flip avant, là on peut foncer, maintenir, voilà. Bien entendu, c'est plus la mémoire des mains ici en fait que j'ai, parce que faut quand même avoir une bonne vitesse et selon les geysers faire plutôt avant ou arrière. Là pareil, ah, il le passe comme ça, moi je le passe en avant, mais ok. Là on ralentit, c'est dangereux ça. Non, il s'en fout. Là il va à fond, Psychose, il veut vraiment valider une map supplémentaire. Ça passe, Tifa, ça passe. Jante, juste derrière, attention Jante. Jante qui ne fait pas de flip, qui ralentit bien ici. Qui va passer doucement, ça c'est sûr que ça passe du coup. Ça va être ça va être compliqué. Hein. En fait, Psychose, il va avoir du temps d'avance. Il va pouvoir valider celle-là, mais j'ai l'impression que ça va être très tendu quand même pour valider celle d'après. Il a été aux lignes, il a bien joué. Il a bien joué, mais ça va peut-être pas suffire, je sais pas. Ouh, attention. Là, ça peut être très punitif. A-t-il le temps de valider celle-là? Il a le temps de finir celle-là. Il a le temps de finir celle-là, je pense. Je me rappelle plus du tout de sa durée. Elle est pas si longue que ça. Les maps au début sont pas si longues. Bah Tifa qui sait pas qu'il le rattrape, il est devant même. Ouais, du coup Tifa est devant. Jante est pas mal. Non mais c'est bien ce qu'il a fait Psychose, parce que le fait de bien jouer au départ, ça lui permet d'avoir un deuxième essai sur cette map. Tout à fait. Donc ça passe quoi. Taker qui valide la station d'épuration, il va malheureusement pas avoir le temps
de valider une map supplémentaire. Psychose, on est tout à la fin. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Faut pas se planter. Le petit flip. Attention. Ouh, c'est passé. 5. Ah, ça passe. C'est bon. C'est bon. 2, 1. Et c'est fini pour Tifa aussi. Il va falloir lâcher la manette. Il va pouvoir continuer pour le beau jeu. Mais là, c'est l'heure de rentrer ses complétions sur le tableau. Ouais, donc il y a quand même pas mal de gens, il va y avoir quelques maps d'écart, donc Tifa ne se sera pas échappé, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas validé, qui sont un ou deux circuits en dessous, donc à mon avis, là, il y a de grandes chances que Psychose arrive à rattraper un peu ça. Alors, c'est surtout Armentis, moi je suis impatient de voir, parce qu'Armentis qui est un peu plus faible sur le jeu, je me demande ce qu'il a eu le temps de faire, j'espère qu'il ne va pas perdre trop de points. Ça serait, j'espère pour lui en tout cas. Ouais, donc en gros, les gens vont faire vitesse terminale 3, vitesse terminale 4, peut-être vitesse terminale 5, mais j'en doute. Sinon, on va avoir beaucoup de gens en dessous. Je pense qu'on aura un petit peu de tout, contrairement aux autres jeux où c'était quand même très serré, en particulier voilà. Mega Man X et Metal Slug X. Là, il risque d'y avoir pas mal d'étalements. Alors, rappel les runners, le prochain jeu c'est Castlevania, donc vous pouvez. D'ores et déjà lancé votre émulateur NES, qui aura l'occasion de resservir, puisque deux épreuves après, il y aura Mario, mais la prochaine épreuve, c'est Castlevania. Voilà, prenez votre temps, en tout cas, pour noter vos petits scores. Ah, il y a des gens qui ont craqué psychologiquement, hein, Couchès qui dit que c'était trop dur pour lui, les 10 minutes... C'est pas grave, il faut oublier les erreurs du passé, respire un bon coup, et... Ouais. Se préparer pour le jeu suivant. Mais c'est marrant, vitesse terminale 4, quand même validé, c'est pas mal en hein, vitesse terminale 4 validé, hein. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait, il y a beaucoup de runners talentueux. Hein. Ouais, je vais mettre les scores du coup. C'est ouf, hein, moi je suis impressionné, parce que 4 normalement c'était vraiment bien, oui. Moi sur mes splits je peux pas faire le 5, mais quand on regarde sur Trials, on remarque qu'il y a plus de 10 runners. Il y a donc pile 10 runners qui ont exactement validé vitesse terminale 4. Et ensuite, on a un paquet de runners, à peu près une dizaine aussi, un petit peu moins, 8, qui ont fait vitesse terminale 3, qui ont donc 56 points. Parce que Trial, c'est 5 ou 6 points par map, c'est 5,5. Et après, ça descend, on a des 50 points, on a des vitesses terminale 1, 44 points. On a, oulala, huile sur le feu, Kerpuikpuik, et après Falzar qui a juste fait huile sur le feu 1. Qui a fait la première map, le beau jeu. Peut-être le PB en live, hein, peut-être qu'il avait jamais touché au jeu. Ouais, c'est assez probable. C'est marrant, moi je vais plus. On va regarder le score total, qu'est-ce que ça donne sur le classement. Tiens, surprise ! Surprise, on a un premier, du coup, ça y est. Quelqu'un qui se détache, mais pas de beaucoup. Hein. Alors Mais c'est rigolo, parce que finalement, en fait, ceux qu'on avait choisis, on les avait pas choisis complètement pour rien, parce que finalement, même quand ils sont bas, ils remontent. Tout à fait, donc Taker premier à 214 points, Tifa deuxième à 210, égalité avec Armentis, quatrième Jante, cinquième Draconis, égalité avec Kouchas, septième Svan, égalité avec Frappe ZC, neuvième Stifler, dixième Dr. Ryle, et ensuite on va regarder vite fait, Psychose, est-ce qu'il n'est pas égalité d'ailleurs avec Dr. Ryle? Si, Psychose est dixième, égalité avec Dr. Ryle, ensuite on a Nenesquik, Senen, Vandal, Molfried, Vinkaiser, De Petit Vert, Metallo, Fieldor et Vacuity. Donc ça va continuer à évoluer parce qu'il reste 3 jeux à faire en moins de 10 minutes. Mais je me dis... Mais Armentis, il stream pas. Il vient de récupérer Internet. En fait, vu les résultats... Il pourrait peut-être streamer, hein. Je pense qu'on peut aller le voir. Je pense que Armentis est peut-être favori maintenant du tournoi. Possiblement, il est dans les meilleurs parce qu'il a passé les jeux sur lesquels il est censé être moins bon. Il est, sur le papier, il est moins bon sur Megaman et c'est lui qui a fait la plus grosse perf. Il a limité les dégâts sur Metal Slug. Il est très régulier sur... il est bon sur Mario et sur... sur les trois jeux qui arrivent, il est assez bon. Donc, peut-être qu'Armentis, parce qu'on va pas faire 50 changements, mais peut-être, possiblement, Armentis nous entend, mais je le vois pas, en fait. Je ne vois pas il le... Il faudra peut-être, après Castlevania, du coup, aller... Ouais, on aller avisera. Le voir, peut-être faire une toute petite pause, voilà. Je sais pas, on verra. C'est ça, on fera la pause, peut-être la légère pause juste après Castle, parce qu'il restera les deux jeux sur lesquels les gros différentiels peuvent arriver. Tout à fait. On va faire ça, mais en tout cas, c'est très serré pour l'instant, effectivement. Petite échappée de Taker. C'est pas mal, là. Donc là, je vais lancer, du coup, la race Castlevania. C'est parti. Ça part dans 2 minutes, les gens.
dans 2 minutes. Et du coup, on verra bien qui à l'issue. Castlevania, qui est un jeu pour le coup sur lequel il pourrait y avoir quelques points à creuser, hein, parce que si on perd une vie, qu'on perd son arme, on peut être très embêté. 10 minutes, on a le temps de compléter pas mal de choses quand même, hein, si on est assez bon. 10 minutes, ouais, on peut quasiment finir. Hein, donc le record du monde, je pense qu'il arrive quasiment au niveau 17, niveau 16, c'est sûr. Donc le record du monde est à 11,41, la fin est assez longue. Donc ouais, normalement au niveau 15, la mort c'est faisable en 10 minutes. Ensuite j'ai regardé pas mal de gens, Frankenstein c'est peut-être 7,30 en moyenne, donc là il y a vraiment le temps d'aller relativement loin. Je pense qu'on va voir des gens vraiment aller loin dans le niveau de la mort. Et ensuite ça va se jouer vraiment à la solidité, aux erreurs, aux petits drops de hache. Le problème c'est qu'il y a des choses qui peuvent vraiment stopper net votre run. Donc on notera particulièrement le niveau 3 et le niveau 4 qui peuvent être des gros points d'arrêt. Malgré tout, je pense qu'il faut rien lâcher, il faut réussir à y aller jusqu'au fond. Et le problème, c'est qu'il faut un peu faire un all-in pour gratter des points, parce que si vous jouez safe dans Castlevania, souvent ça se retourne contre vous. Ouais, ça va être... En tout cas, a priori, j'ai plus les splits du record du monde, mais a priori, je sais plus quand, sur le record du monde, il split à la mort... c'est sub 10 en tout cas, c'est sûr. Et nos runners, je pense quand même qu'ils peuvent la mort. Après, c'est vrai que le stage, il y a plusieurs stages, mais je pense qu'on pourrait voir pas mal de gens se balader au niveau de la mort quand même. J'espère qu'on verra la mort mourir, parce que normalement, si on prend son temps dans Castlevania, on fait quand même 10 au niveau de la mort et on prend son temps sur Dracula plutôt. Ouais. Je vais regarder vite fait, genre le pipi de grincement, ça va commencer tout de suite, mais je vais faire ça pendant le début de la run. Voilà, les gens se préparent et c'est parti. Alors d'autant que c'est vrai, ouais, on split il y a quelques secondes, on est en race, donc là, les gens partent sur start, alors que quand on tame, il y a beaucoup de jeux, c'est au contrôle du personnage. Mais là, en race, c'est quand on fait start, hein. C'est parti. Donc toujours on a Jante, Devil, Tifat, Taker et Psychose. On va regarder un petit peu les PB de ces personnes. Donc sur Castlevania, Tifa il a un 13-16, Taker il a un 13-48, Psychose il a un 15-31, c'est un petit peu plus faible. Et Jante il a un 13-40, donc voilà, on a plutôt 3 bons joueurs et Psychose qui est un petit peu derrière. Mais après c'est peut-être que sur son PB il a pas battu Dracula du premier coup. Hein. Et finalement du coup il s'en tirerait pas trop mal dans ce format. Alors je viens de regarder, la mort en 10 minutes, c'est faisable, mais excessivement chaud en fait. Donc ouais. C'est genre le PB de Daikena qui est le meilleur, qui fait un 12-17, il est genre à 9,58. Donc là le problème c'est qu'on a commencé avec à peu près 7 secondes, 9 secondes de retard, donc c'est très très dur, je pense pas que ce soit faisable, mais c'est passé pour tout le monde, un psychose, genre doit être, les 4 le réussissent. Valider le niveau... 14, c'est déjà un gros accomplissement, donc c'est arrivé, je crois, au couloir de la mort, un truc comme ça. Ouais, ça, mais on arrivera juste avant le dernier stage avant la mort, quoi. Et c'est assez, je pense, que pour ceux qui feront du Deathless, en tout cas. Allez, on prend la petite hache, on va vaporiser la petite chauve-souris, bon, ça c'est facile. On tente pas les dégâts critiques, hein, en race, pour optimiser un petit peu. Des beaux combats, globalement ça se termine à peu près en même temps, c'est très serré pour l'instant, on récupère l'orbe, c'est fini. Mais nos runners, c'est des vraies machines, ils sont très très synchro, hein. L'intervalle est de 2 secondes, hein. ils sont réguliers là. Hein. Psychose qui perd pas mal de temps contre Taker, même s'il a tué la batte avant parce qu'il lui restait des cœurs, et Jante qui lui restait 4 cœurs, et là pour le coup il a pris un peu plus de retard encore. Normalement l'optimisation c'est de rester vraiment, d'arriver avec 0-0 cœur, ils font tous la strat de la hache, sauf Psychose qui a pris la croix tout de suite. Petite différence de routing qui devrait pas coûter de temps. Normalement sur ce jeu on reste là où le confort est dans ces conditions, évidemment. Quel est le PB de Psychose déjà? Psychose c'est vraiment le plus faible, il est à 15 minutes 31. Ah ouais, d'accord, donc là il va peut-être y avoir petite perte de temps. Mais après ça dépend, parce que peut-être que son PB, il a fait Dracula pas du premier coup, quoi. Et donc possiblement, son 15 et quelques, peut-être ça vaut un 14, quoi. C'est juste qu'il n'a pas encore concrétisé le Dracula du premier coup. Peut-être. Peut-être. En tout cas, l'écart se creuse un petit peu. Taker a un petit peu d'avance. Tifa juste derrière. Jante ensuite. Mais ouais, on le voit, hein, l'écart, on dirait que c'est un jeu de course, que les écarts sont tellement faibles.
Et ah, Tifa, le bon cycle, Taker hein. qui récupère l'Halo, Bénith chante aussi, et Psychose va rester avec sa croix. Psychose qui se prend les presses. Les presses à one shot, attention à pas trop perdre de temps quand même. On est déjà à... Il reste plus que 6 minutes 50. Ouais, ça va, là. C'est vraiment le début du stage 6, donc ça va. Il revient... Les level designers ont été sympas. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est de perdre ses armes. C'est toujours embêtant. On perd l'arme, on perd l'amélioration, on perd l'amélioration du fouet. Enfin, on perd beaucoup de choses quand même. C'est un peu embêtant. Alors que Tifa vient de tuer le boss, c'est fait pour Taker. Donc, ils sont quasiment ex aequo, légère avance de Tifa. Et ça devrait être terminé pour Urgente. Voilà. Très très serré encore. Ouais, du coup, Psychose, il est obligé de casser quelques chandeliers et de se farcir le boss. Au fouet, du coup, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est pas hyper dur, mais effectivement, faut pas trop se faire avoir non plus. Donc, ça va dépendre de son comportement. Il risque de perdre un petit peu de temps. Ils ont déjà validé 6 stages hein, pour Jean de Ultify Taker. Vous voyez le numéro du stage en haut à droite. C'est ça qui fait le palier de complétion pour notre épreuve. Voilà, c'est bon. Et 18 paliers de complétion pour 100 points. Ça fait un peu plus. Ça fait 6 points par stage à peu près. Donc, vous voilà. Mettez un stage à quelqu'un, vous gagnez 6 points par rapport à lui dans notre catégorie. Ouais, du coup, si vous repasseriez devant Taker, si vous êtes Armentis au Tifa. Très très serré en tout cas. Là, c'est marrant parce que les différentiels, l'amplitude est forcément moindre. C'est très rigolo, du coup, ça donne une impression que tout le monde est tassé. Et que tout peut se jouer encore. Ah bah là, tout peut se jouer. Hein. Pour l'instant, effectivement, Tifa a une toute petite avance, mais vous voyez Taker faire exactement les mêmes mouvements que lui juste derrière. Attention, Taker qui a perdu un tout petit peu plus de vie. Jante aussi, pas beaucoup de points de vie. Ça peut être compliqué si le squelette ici décide de... Non, ça passe bien pour Jante. Tifa qui risque de jouer... Je pense que les runners vont jouer relativement safe à cet endroit-là, parce que le pont du niveau 3, c'est un endroit qui fait peur. Ouais, c'est affreux. Tifa qui joue doucement et donc qui se fait dépasser par Taker ici. J'ai peur pour Jante, là. Hein. Je le vois avec pas beaucoup de vie, là, avec des vilains oiseaux. Encore prendre un hit, mais ouais, c'est chaud. C'est bon. Il valide le niveau 8 et il passe au niveau 9. Psychose toujours un petit peu derrière. Ah, oui, Pain Image. C'est un des endroits qui sont les plus difficiles du jeu, moi, de toute façon, ce niveau. Je trouve plus dur que les stages d'après, les stages de Frankenstein. Je les trouve plus simples. Mais... Il est très délicat, en plus à faire parfaitement c'est largement le plus dur hein, avec l'eau bénite en passant à travers tout. Mais même à ce niveau-là avec la croix ça reste délicat. Ici ils vont tenter le critical hit, oh, pas de chance. C'est de superposer les momies comme a ah, fait presque. Tifa. Oui, c'est bon. Et voilà. Et Tifa par contre il avait utilisé des croix donc les deux momies n'avaient pas le même nombre de points de vie. Donc il y en a une qui est morte avant l'autre, il a dû finir l'autre avec le nombre de coups qu'il avait donné la première. Jante qui a failli mourir mais c'est bien passé. Il a raté le critical, le gros critical hit. On l'a vraiment vu là sur Taker, en tout cas, ça s'est vraiment bien fait. Hein. La barre de vie du boss est vraiment... les boss se sont fait vaporiser. Psychose petit retard, là. Ouais, Psychose qui valide du coup le stage 7, alors que Tifa arrive au stage 10. Donc là, commence à y avoir 12 points d'écart entre la tête du peloton. Je pense pas... Il n'y a pas eu d'erreur chez Tifa et Taker, en tout cas des erreurs minimes, donc personne n'a pu faire une échappée de fou, hein. Faut imaginer, même si on a d'autres gros runners qui sont en tête, ils sont pas encore à Frankenstein, c'est sûr. Voilà, c'est vrai que pour l'instant c'est très propre. Hein, les gens arrivent à être beaucoup plus réguliers sur Castlevania que sur Super Ghouls and Ghosts. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en tournoi. Ce qui semble normal quand même, hein, là, les jeux n'ont pas la même exigence au niveau. Ah mais quand même, j'aurais... Bon, il y a quand même des accidents possibles sur Castle, mais les gens, voilà, les gens... De façon moins omniprésente, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça. Et puis, surtout, il y a beaucoup plus de manières de jouer safe, en particulier là où sont Tifa et Taker. La strat optimale qui consiste à jamais s'arrêter en apprenant par cœur le spawn des ennemis. Ici, c'est bien passé en attendant les bossus. Tifa qui est un tout petit peu devant Taker, qui arrive au 12e stage, qui valide le stage 11... Et Jean est vraiment pas loin derrière. Non, c'est très très serré. Hein. Et je rappelle, il y a aussi dans les gens qui sont bien placés qu'on ne stream pas, parce qu'il y a plein de runners. Il y a Armentis aussi pour l'instant qui a 210 au classement général, qui est vraiment pas mal, qui est bon sur ce jeu. Donc peut-être à l'issue de ce jeu sera vraiment vraiment bien. Il a de nouveau internet, donc peut-être un retour d'Armentis dans les tournois aussi. Ça serait beau. Et,
et une présence sur les podiums parce que le par équipe lui a donné l'opportunité d'apprendre des jeux qu'il n'avait pas encore appris. Et donc, ou qu'il a, il a perfectionné, donc Tarmentis, hein, du coup, qu'on va peut-être revoir comme d'autres. Hein. Alors, ah, Psychose, c'est compliqué. Ouais, Psychose, on sent qu'il est un tout petit peu plus faible que les autres. Maintenant, il est 3 stages derrière les runners qui sont en tête. L'écart se creuse. On voit enfin le niveau de la mort chez Tifa et chez Taker qui sont toujours très synchro. Tifa a une légère avance, mais attention, il a déjà pris beaucoup de hits. Taker, pareil, a pris un hit de trop. Il y a assez peu de marge dans ce niveau de la mort. Jante qui ne fait pas le damage boost, mais du coup qui s'en sort un petit peu mieux niveau point de vie. Maintenant, là, c'est la course contre la montre, puisqu'il reste 1 minute 20 seulement, et il faut réussir à compléter au moins le stage 13, voire même le stage 14, c'est possible. Ouais, le 13, normalement, ça devrait se faire assez bien, sans erreur. Attention, le bénit est vraiment bien, parce qu'il reste sur le sol, on peut continuer d'avancer, et ça balaye les ennemis qui nous suivent, c'est quand même cool. Psychose qui accuse quand même un sacré retard maintenant. Mais là, c'est logique. Là, tous les runners sont dans la phase où il faut valider le plus de niveaux possible. Tifa et Taker ont validé le niveau 13. Attention, Taker qui perd beaucoup de vie, qui se fait enchaîner par ses méchants chevaliers. Ah, c'est chaud pour Taker. Taker qui hésite. Taker qui le tue. Là, de toute façon, il peut prendre la hache. Hache, non. Il peut la prendre parce qu'il a pas. Il pourrait la prendre parce qu'il a pas besoin de la hache. Il n'arrivera pas à la mort de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc, c'était pas hyper grave. Il reste plus que 26,5 secondes. Tifa, je pense, voilà, va réussir. Je sais pas si la transition est là ou à l'escalier suivant. Je crois qu'elle est là, la transition niveau 15. On va voir ça tout de suite. Los, putain, j'ai presque oui, peur voilà. Pour niveau Taker. 14 validé pour Tifa, c'est parfait. Par contre, Taker qui est un tout petit peu derrière va sans doute pas y arriver. Il reste 2 escaliers à prendre, mais il reste 2 secondes. Il faut s'arrêter ici. Et Taker, oh là là. Là, Tifa, les secondes. Oh, regarde des où est Jante. Regarde où est Jante. Il est à quelques pixels de la porte. Ah, c'est vraiment, bah, c'est les règles, hein, mais c'est vraiment, enfin. C'est très très sévère là du coup, vraiment, il a parfaitement respecté le jeu, Jante, dès que c'était 10 minutes, il s'est arrêté. Jante, ça se joue à pas grand chose, c'est là qu'on voit des fois en speedrun, mais ça se joue à quelques secondes qui vont faire que vous avez terminé ou pas le jeu, quoi. C'est, on est, petite larme, vous pouvez m'indiquer votre tristesse, partager, montrer, faire preuve d'empathie pour Jante. Taker était pas très loin non plus, mais je pense que beaucoup étaient pas très loin. Là, c'est un peu la caricature. Bon, il aurait pu être à la porte, en train de tendre la main, mais ça aurait été encore pire, évidemment. Mais là, on a pas mal de gens, du coup. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de gens à avoir validé le 14. On sait que Tifa l'a fait, là. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a d'autres runners qui ont validé ça. Ah, et c'est pas le seul runner, Tifa, à avoir validé le 14. Il y a aussi Senen qui a validé le niveau 14. Donc Senen... Le classement va rester très très serré. Ouais. Senen qui du coup était bien placé, hein, de toute manière, ça faisait partie des gens qui étaient dans ce format, même si on n'a pas streamé, qui étaient pas loin des favoris, qui étaient plus mal, pas, vraiment pas mal placés, mais là on voit qu'on a des runners réguliers, hein, c'est fou, on a énormément de runners qui ont 72 points. Autant si on remarque que Tifa et Senen ont 77, ont donc validé le 14. Validé le level 13, ça va de Taker, Armentis, Jante, Kouchas, Van Steffler, Nenesquik, Vandal aussi. Ouais, Vandal, GG. Vandal qui gère, hein, sur Castlevania, qui va sans doute le faire pour le par équipe cette semaine d'ailleurs. Yuganon, c'est ça. Yuganon, bah oui, je clique. Ah oui, après on a des gens qui sont à 61, donc ça fait simplement le level 11, 55 le level 10. Level 8 ensuite, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont participé à cette race. Je pense qu'il y a des gens qui abandonnent en cours de route. On voit que le nombre de gens qui complètent le jeu diminue parce que en fonction des contre-performances précédentes, peut-être que les gens ne s'investissent un peu moins sur la suite du tournoi. Oh, bah c'est le classique. C'est un format auto-éliminatoire en fait. Ou parce qu'il y en a aussi qui peut-être qu'ils doivent partir ou qui disent préféraient se mettre dans un canapé, quoi. Ils sont là, bon bah voilà. C'est le classique. Alors est-ce que la plupart. Ouais, la plupart des gens ont rempli leur score, vraisemblablement. On va trier par score, ensuite on va faire une toute petite pause pour avoir les peut-être 4 meilleurs en stream.
Ah bah ça tombe bien, on n'était pas très loin, parce que foncièrement, il y a que Psycho dans les personnes qu'on avait streamées, qui est un petit peu derrière. On va surtout regarder, je te laisse faire les favoris, je vais regarder du coup les PB des gens. Alors, donc pour l'instant, en tout cas dans le classement, on a Tifa qui a réussi à prendre la première place à 287 points, un point en avant sur Taker. Donc c'est très très serré entre les deux pour la première place, mais juste derrière en embuscade on a Armentis et Draconis à 282 points, juste derrière encore à 279 Jante, 2 points derrière Kouchas, 3 points derrière Zvan à 274, après il y a un peu plus de marge avec 6 points d'écart avec Stifler, là il y a 16 points d'écart avec CNN, donc ça commence à chuter un petit peu, mais on n'est que à 30 points, 35 points de Tifa, hein, donc ça reste possible. Eh ben, c'est très très tendu parce que quand je regarde les PB des gens, déjà c'est serré, on regarde le podium et je regarde les PB des gens. Tifa, bon, est bon sur Mario. Je regarde Mario Nuclear Throne qui est très bon sur les. Alors tout le monde est très bon de toute façon sur les deux jeux, mais est-ce qu'il y en a des très très bons? Ben, Jant, il a un petit niveau supplémentaire sur Mario et donc du coup, même s'il est que 5ème, il est pas mal favori, je pense. Il a un 9-24, il a un peu plus grindé Mario, donc ça pourrait faire la différence. Donc je vais voir si on a Armentis ou Draconis qui stream déjà. Ouais. Mais c'est vrai que Psychose, il est un petit peu. Draconis. Et ben voilà, en tout cas Psychose, il est un peu derrière. Je pense qu'on peut du coup le mettre entre guillemets en backup. Il est bien sûr, il peut encore faire un truc cool, mais pour l'instant il est un petit peu derrière. Donc Armentis ou effectivement Draconis, ce sera très bien. Mais Armentis, je pense pas qu'il a peut-être pas reset up son stream. Alors les gens en 10 minutes et. Ah, ça s'entraîne quand même avec Crystal. Il y en a pas qui vont tenter du all-in avec stéroïdes. On verra. Alors, quel que soit le personnage, on peut finir en moins de 10 minutes. Je vais vous remettre les joueurs qui s'entraînent. Ce n'est plus Psychose, vous l'avez remarqué, c'est Draconis, évidemment. Draconis qui a un long pseudo, mais moins que Psychose. Donc ça va tenir dans ma petite fenêtre. C'est magnifique. Mais en tout cas, c'est hyper serré. Hein. C'est ouf. Hein. 287 pour Tifa, 286 pour Taker, 282, donc troisième égalité, Armentis et Draconis. Et Jante qui est à 279. Kouchas, pas loin derrière, à 277. Hein. Il y a Zvan en embuscade. Hein. C'est pareil, on en parle pas beaucoup. Mais il y a beaucoup sur ce format. C'est très très serré parce que même Zvan. Qu'on n'a pas encore présenté ce soir. Je regarde un petit peu. C'était ça, je regarde. Non, pardon, Zvan. Je le rentre. Zvan, il est un petit peu moins bon sur Mario. Hein, il est très bon sur Nuclear Throne, mais il est un petit peu moins bon sur Mario. C'est pour ça que. Mais voilà, pas mal de gens du coup hein, qui sont. Il y a rarement eu aussi peu d'écart évidemment entre la première et la dixième place, donc c'est pour ça que tout est possible. Tout est possible. On pourrait lancer la race du coup. Ouais, on va lancer la race là, comme ça les runners ont encore 2 minutes pour se préparer. Ça se chauffe là, ça hésite de personnages. Est-ce que ça prend Wavy, Draconis qui fait un run Crystal, il va peut-être faire un PB juste avant, ça serait rigolo. Jante aussi qui joue, un Jante qui a adopté la stratégie d'entraînement. Peut-être qu'il fait ça à chaque fois avant les décathlons, on ne sait pas, on voit rarement en fait les gens en train de s'entraîner. Mais il a souvent fait les niveaux très avancés là, il a refait un Dracula, il avait refait sur le fil 1 pour Trials. C'est assez marrant de. Enfin, comme manière d'entraînement, c'est vrai que moi j'ai tendance à. Quand il faut que je m'échauffe, à juste faire le début, reprendre le jeu en main, c'est plutôt ça mon point faible, plutôt que la peur des skips tard dans le jeu. En tout cas, potentiellement une bonne méthode pour se remettre les choses dans les doigts juste avant le lancement des races en tournoi. Mais en tout cas, effectivement, comme on le disait, ce format rush, du coup, font que naturellement, il y a un coefficient plus élevé d'une certaine manière sur les jeux courts, ou du moins, il y aura plus de variance, puisqu'il y en a qui feront des petits scores, d'autres des très gros scores, parce que là, les deux dernières épreuves, c'est possible de les terminer, on va dire avec des niveaux de difficulté un petit peu différents, on va dire que Nuclear Throne, ça se fait, hein. Le meilleur temps du décathlon de mémoire, il doit être à 7 minutes 01, c'est peut-être Sicanas, ou si ça a été battu depuis, je vais juste vérifier, mais avant c'était 7-01, c'est toujours... Ah non, c'est Renaud Zilot qui a aussi fait un 7-01, qui sont deux maintenant. Aujourd'hui, ouais. Que je recommande de regarder, qui est très amusant. Mais paradoxalement, même si le record est de 7-01, c'est-à-dire un temps inférieur au record de Mario, c'est, je pense, on a plus de gens susceptibles de faire le sub 10 sur Nuclear Throne que sur Mario. On en a oui, c'est tendu. Ouais. C'est tendu, mais les gens. C'est beaucoup plus facile de faire sub 10 sur Nuclear Throne que sub 10 sur Mario, en tout cas.
Donc, parce que là, sur Mario, faut pas rater grand-chose. Et sur Nuclear Throne, en jouant, bah déjà à pas mourir, par contre, avec, si on utilise une warp, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça, faut vraiment y aller en mode. Bien sûr, c'est encore faisable, mais disons que de manière classique, sera plutôt vous jouer safe en vous rushant un peu. Ça devrait passer. Mario, faut pas rater, faut rater aucun des skips vraiment importants, sinon c'est fini, quoi. C'est parti. Après, wow, c'est la première fois. Ah non, j'allais dire, on a 4 bonnes, on a 3 persos différents. Non, non, on a 3 persos différents, on a 2 cristals, mais Jean, tu utilises le B-skin, le skin fromage de cristal, donc il est jaune, alors que Draconis, le skin classique, il est violet, avec cristal qui peut permettre de se protéger. Donc ouais, j'allais dire que c'est rigolo, parce que même si c'est plus facile de faire sub 10 avec, sur Nuclear Throne que sur Mario, c'est moins intéressant, parce que là, on est à un système de complétion hybride avec 150 points pour finir le jeu. Donc on n'aura pas 200 points 100 points d'avance pardon, oui. en finissant. Donc c'est très très bien calibré, je trouve. Il y a un très bon risk-reward. Tifak a directement pris Second Stomach comme Jante, donc il gagne 4 points de vie par Medikit, alors que Taker a pris Rhinoskin, donc il lui augmente de 4 points de vie sa vie maximum. Donc c'est des choix variés. De toute façon, ce jeu, c'est un roguelike, donc on n'a jamais la même run. Hein. Il faut faire prendre des décisions en continu. On aurait dit qu'il avait un super scorpion. Non, il avait plein de scorpions, simplement, Tifa, parce que ça balançait de la boulette. Là, c'était boulette L, un peu. Mais c'est aussi le charme de ce jeu, en tout cas d'avoir quelques ennemis qui balancent un max de boulettes. Et effectivement, en tout cas, le perso qu'a pris Tifa, c'est un perso qu'on voit moins souvent, quand même. Parce que pour l'instant, c'est un peu... Bon, c'est pour la ramener, c'est pour par rapport à la stat Megaman sans armure. Pour l'instant, en tournoi, quand les gens n'ont pas pris stéroïdes ou cristal, ils ont en général moins fini les runs. C'est un fait. Alors dans les PB, je veux bien, mais en tout cas, en tournoi, souvent, ça s'est mal passé, mais évidemment, on souhaite voir des gens terminer avec des persos autres, parce qu'on sait que c'est possible, et même en moins de 10 minutes, évidemment. Mm-hmm. Ouais, petit drop de frame chez Taker, mais ça a l'air de se rétabli, on voit bien ce qu'il fait. Tous les trois dans les égouts, Draconis un tout petit peu derrière, pour l'instant, personne n'a l'air d'avoir davantage de fou. Pour autant, Jean a réussi à avoir Scarier Face qui diminue de 20% les points de vie des ennemis. Donc en particulier, ça fait gagner pas mal de temps au boss et ça rend des zones plus safe, je trouve. Il a un Assault Slugger aussi qui est une très bonne arme. Il choisit de pas la prendre, bizarrement. Draconis aussi hein, pour Scarier Face. Taker qui passe par les Tortues Ninja, amusant. Avec un peu de chance, il aura des grosses armes ici. Alors quelqu'un pose la question, est-ce qu'il vaut mieux jouer safe sur ce format? Le truc, c'est que ça dépend. Safe en étant un très bon joueur, si vous êtes sûr, même en jouant safe, de faire sub 10, parce que moi, par exemple, en jouant safe, je ne fais pas sub 10, quoi. Donc, c'est... Après, valider pour sûr les 100 ou 140 points, ça permet de ne pas tomber dans les tréfonds du classement aussi. Hein. Donc, ah oui, oui, ça... Suivant votre clair. Skill, en fait, vous allez... Je pense, de toute façon, dans ces tournois, c'est ce que je répète souvent, on joue à la mesure de son niveau. Donc, même si vous essayez de rusher, vous n'allez pas d'un coup inventer un sub 10 si vous n'avez jamais fait un sub 10. Donc, mais par contre, par contre, dans ce tournoi-là, je pourrais dire, on sait qu'il y a plein de même si vous êtes bon, il y a des gens tellement bons dans le décathlon, c'est très difficile, par exemple, de s'illustrer, de faire un podium en tournoi. Mais sur un tournoi, ça peut valoir le coup dans ce tournoi fun de tenter un all-in sur le jeu si vous êtes potentiellement capable de faire un sub 10, mais vous y arrivez rarement parce que peu de gens y arriveront et ça pourrait vous remettre en haut du classement, même si vous avez fait des contre-perfs sur tous les autres jeux légères. Mais tout à fait, de toute façon, c'est un tournoi fun, donc moi, le conseil, c'est évidemment de jouer all-in pour le spectacle, pour les choses. Tifak est déjà contre Big Dog, on voit qu'il utilise sa télékinésie qui ralentisse les boulettes des ennemis, il s'en sort très bien, il arrive déjà aux cavernes de cristal, Tifak a beaucoup d'avance, du coup. Ouais, carrément, c'est très très beau. Tifa qui, dans les tournois classiques, avait plutôt joué cristal et maintenant il avait dit qu'il s'est obligé de commencer à jouer stéroïde. Alors après, certes, on peut faire sub 10 avec d'autres persos cristal, mais lui jouait plutôt safe. Il faisait plutôt des 12 minutes et maintenant il sent que c'est plus suffisant. Il y a trop de gens qui font des sub 10. Et du coup, il a pas pris le perso qu'il prend habituellement, mais c'est pas stéroïde non plus. Alors, double crossbow chez Taker, c'est une très bonne technique pour la suite. Le seul problème, c'est la possibilité de perdre beaucoup de munitions. Voilà, il va se débarrasser de sa deuxième arbalète pour une arme qui consomme des boulettes. Parce que si vous regardez dans l'écran en haut à gauche chez les joueurs, il y a des indications de munitions. Et si vous tombez à court de munitions dans ce jeu, c'est quasiment run over. Souvent, c'est le synonyme de la mort, donc il faut être très précis, il faut éviter de spammer. C'est un peu similaire, du coup, en ça, à Metal Slug X, hein, la précision plutôt que le spam. Ah,
Alors, en tout cas, ça se passe plutôt bien. On peut, enfin, ça se passe souvent plutôt bien. Après, de toute façon, un des pics de difficulté, ça reste le boss de la zone Frozen City où sont Tifa et Taker, les Hunters. Donc, Jante et Draconis sont juste derrière. Hein, c'est le niveau de transition. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien dans le level design ou plutôt dans la narration, dans la structure globale du jeu, c'est d'avoir trois niveaux qui se passent dans un environnement, puis un seul en transition. Ça, il se déploie une narration, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est très bien, ça rompt la monotonie ou la linéarité qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux de plateforme où on a chaque monde est équivalent en durée et en structure. C'est vraiment très bien trouvé parce que ça permet d'introduire des ennemis souvent plus durs ou différents qui forcent aussi d'adapter sa manière de jouer pour ce moment-là en particulier. Donc les cavernes de cristal en particulier, là où Draconis, où il faut des grosses armes pour réussir vraiment à tuer les ennemis qui sont plus des sacs à points de vie. Et donc ça force un petit peu Ouh les là là, décisions. Jante là, Jante c'est compliqué là. Chez Tifa Jante, aussi, c'est un peu tendu. alors Jante il a certes une cartouche sur Mario, mais faudrait pas non plus faire Regarde, attention il a quand même récupéré des quoi. points de vie, là, il est mieux, il s'en est bien sorti. Souvent, faut jouer un peu vite dans ce jeu, mais pour autant, il faut pas perdre trop de points de vie. Bonne utilisation du cristal chez Jante. Carrément bien joué. Ouais, il a récupéré un gros coffre, parce que c'est quand on n'ouvre pas ces trois coffres, ces gros coffres comme ça, c'est quand on n'a C'est pas ouvert un en certain nombre fait, de ça a fait coffres. augmenter la probabilité de 33%. Donc si t'en ouvres pas un, là, ensuite t'as un tiers de D'accord. chance, pas deux, t'as deux chances sur trois, et pas trois, t'as Ah d'accord, 100% de chance. c'est pas trois tirages à 33, c'est un tirage Non, à ouais, 33, c'est un 66 ou tirage, 100 voilà, quoi. c'est ça. Donc de toute façon, le jeu est construit sur la RNG, sur la chance, comme tout bon jeu basé sur ce type, un roguelike ou roguelite, suivant votre affinité par rapport au genre, mais en tout cas, il faut que les choses soient un petit peu aléatoires, avec des secrets qui deviennent déterministes toujours. Ouais, Jante, carrément. bloquer beaucoup d'ennemis ici. Jante, attention, qui se fait attraper par un Ah Yeti, là qui là, perd attention, beaucoup de attention. vie. Les ennemis qui Nice. arrivent au corps à corps, c'est le pire contre Cristal parce qu'il peut pas s'en protéger. Hein. Se transformer en Cristal ne le sauvera pas. Et souvent, ça fait très mal, surtout, ça fait des dégâts astronomiques, le corps Oui, à corps. Il y a beaucoup ça fait. d'ennemis. Les assassins, par exemple, ils t'enlèvent 10 PV, je sais pas combien ils t'enlèvent, mais à chaque fois qu'ils me touchent, j'ai l'impression que peu importe le Ouais, nombre de points de c'est vie, je 4 ou meurs. 5 en général au corps à corps. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent avoir 5 points de vie. C'est assuré de ne pas mourir en un coup en Putain, général, c'est sauf pour catin. les Des fois, j'ai exploser. l'impression que c'est plus. C'est rigolo, quoi. Mais c'est peut-être qu'il donne deux coups très Là, vite. il donne deux coups très vite, donc souvent c'est ça le truc. Il y a une frame d'invulnérabilité par coup dans ce jeu. Vous pouvez vraiment vous faire enchaîner littéralement en C'était. trois frames, littéralement. Un première frame vous fait toucher, deuxième frame vous êtes invulnérable, et troisième frame vous êtes mort. Donc ça fait Eh ben, je sais pas si beaucoup c'est le plus dur à format, mais gérer. là, on a personne. Pour l'instant, ça se passe bien pour tous les joueurs. Hein. C'est rare que ça se passe aussi bien là. C'est le tournoi détente, les gens vont faire des PB, je sais pas, mais Moi en je tout suis cas, t'es. inquiet pour le prochain niveau pour Jante et pour Draconis parce qu'ils arrivent sur le boss qu'on redoute. Et c'est vrai que sinon Taker et Tifa, Taker qui a pris beaucoup d'avance du coup. Ah non, ça joue très bien, t'as raison, c'est vraiment. Mais Ouais, ça c'est joue de très mieux en propre. mieux dans sur Nuclear Throne à haut niveau dans le Décathlon. Bah, il y a aussi. Les gens ont plus maintenu le niveau, mais c'est parce que ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est ce qu'il y a à côté du speedrun aussi. Ça peut être le daily, le weekly, c'est tous ces trucs qui font que, ben mine de rien, on va jouer au jeu. Ce qui fait qu'on maintient comme le niveau parce que ça fait partie de ces jeux-là foncièrement où on peut vraiment être bon au speedrun sans l'avoir Oui, fait si Jante on a qui un tr. meurt contre Ah le là. boss pendant que je regardais juste Taker en fait, Ouais. effectivement. Alors là, Jante. Jante, bah oui, bah Jante, il se dit qu'il n'a plus le temps de Il reste retourner. 1 minute 40, hein, il était assez loin. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant Draconis il va avoir du mal à tuer le boss de fin. Tifa ça devient tendu parce que le boss de fin, bizarrement, il est assez long. Il va rester 1 minute 30, le timer défile. Pareil, Taker là qui prend un petit peu son temps parce qu'il faut faire attention à pas se faire exploser la tronche avec son super bazooka. Ceci dit, Jante, maintenant il a sa cartouche, un de ceux qui peuvent faire le sub 10 à Mario qui est très très dur, qui va rapporter plein de points, donc il peut s'entraîner. Enfin là non, il est en train de streamer, donc il va pas lancer Mario maintenant, mais disons qu'il a cette cartouche à jouer, et après ce que je disais, c'est normal que le haut niveau progresse, parce qu'il y a tout ce qui est à côté du jeu font que tu joues au jeu, et y a pas grand chose de spécifique. Il y a des choses spécifiques au speedrun, mais beaucoup moins, il n'y a pas de réel skip ou autre, c'est vraiment de la connaissance du jeu, on joue, et si on Tout est à très fait, ouais. bon, on va être bon au speedrun à peu de choses près, on va juste se dépêcher, quoi. Oh Mais non, Tifa, ça sent très mauvais. Tifa, il est pas. Et c'est la Non! Il est mort, mort! cette 2, non! Et c'est Parce que la là, si mort! Taker, c'est chaud. Taker, c'est méga chaud, mais il a le temps, je pense. Il va rester pile 30 secondes pour tuer le boss après cette animation. Mais il a un super bazooka qui fait énormément de dégâts. Il faut juste pas se faire exploser la face avec.
Attention, encore un coup, et voilà, c'est fait pour Taker qui va réussir le sub 10 en live, alors que Tifa est mort avec son Blood Launcher, qui est vraiment pas une arme top, le Blood Cannon c'est OP, mais là, mêlée. Et Taker qui est très content d'avoir eu son Boiling Vein qu'il a sauvé grâce à son super bazooka, le sub 10 en live comme ça, c'est complètement fou. Mais l'écart va pas être monstrueux, parce que comme c'était, on a dit, hein, 150, là, du coup, Tifa va quand même marquer, je sais pas, 120 ou 130 points, un truc comme ça. Ouais, 130 quand il meurt. Ouais, donc ça va, il va perdre 30 points, mais c'est jouable. Si Taker se fait infiniser sur Mario, ce que je ne le souhaite pas, évidemment, il pourrait se passer des choses intéressantes. Alors, d'après toi, sans avoir regardé, combien de personnes ont réussi le sub 10, d'après toi ? Deux. Allez, je sais, j'ai pas regardé, mais je vote sur deux. Donc Taker et un autre, peut-être Senen, je sais pas trop qui d'autre on avait comme runner. Je pense qu'on a pas mal de morts au palace, hein, donc 140, 130 points. 100 points aussi, beaucoup, parce que c'est Lil Hunter. Eh ben, tu vas peut-être être surpris, mais non, il y a plus de deux personnes. Ah, incroyable, je vais être obligé de rafraîchir ça et du coup de vous le montrer en live. Parce qu'il y en a un qui a pas... Parce que Taker n'a pas encore validé, c'est pour ça que je dis ça, en fait. Il y en a... Ah, ben il y en a un qui a disparu. Il y en a un qui avait mal rempli. C'est peut-être ça. Non, il avait cliqué trop tôt, sans doute. Peut-être. Ah oui, ça pouvait être ça. Ça y est, je les vois qui arrivent. Ah, ça se complète petit à petit. Ça arrive. Ah, mais non, mais on a des temps supérieurs à 10 minutes, c'est pas possible ça. Ah oui, c'est ça. Ah, ben tout à l'heure, il y en avait un deuxième qui était inférieur. Non, mais attendez, de toute façon, c'est le temps que les gens complètent. Entre la complétion finale ou le temps que j'ai fait, vous rentrez le temps que vous avez fait si vous avez fini. Bah, si c'est moins de 10 minutes, quoi. En moins de 10 minutes, hein, donc c'est... Donc ça vous donne un vrai gros avantage. Hein, ah bah toi, Taker, tu mets le temps, vu que t'as fait moins de 10 minutes. Ouais, le temps pour Taker, évidemment. C'était de faire les sub 10. Je vais rentrer en 11.35. Je mets à jour, je suis impatient de voir ce que ça donne sur le classement. Tu mets complétion 1-1, Taker. Oh, en fait, tout va se jouer sur Mario, en fait, pour tout le monde, parce qu'il y a tellement de choses à perdre ou à gagner. Ceci dit, là, il y a des joueurs qui ont une bonne option grâce au Nuclear Throne. Bon, ben, il y a évidemment ceux qui ont fait là, le tableau arrivé. Il y a ceux déjà qui ont échoué proche de la fin, qui ont échoué au 7-2, comme Tifa et Kouchas, qui marquent 140 points, ce qui est pas trop mal. Mais c'est surtout, du coup, Taker et Armentis qui a une belle option. On avait dit que là c'était peut-être sa soirée. Ben là, ça y est, il a internet, il est présent direct. Hein. Le voilà. Avec, du coup, on en a deux sub 10. Donc t'avais raison tout à l'heure. Qui fait un 9-28. Taker qui fait un 9-41. Ensuite, pas mal de palace. Hein, le 7-2 pour Senen, Kouchas et Tifa. Le 7-1 pour Stifler. Le 6 pour Draconis et Svan et Elgerin. Et après, voilà, les 100 points pour Jeanne, pour Psychose, pour Fieltor, pour Calamity Jay, pour Kerpukpuk, pour Yuganon. Ça, c'est la mort au boss des cités enneigées. Et puis après, ça descend un petit peu. Beaucoup de 90 points. Et on a eu 26 personnes quand même qui ont réussi à aller au moins jusqu'au 2. Donc en 10 minutes, bah, ça peut être tendu. J'espère que certains d'entre vous ont fait des PB, ça serait cool. Et en tout cas, ce qui est intéressant quand on voit le total, du coup, à l'issue des 6 épreuves, c'est que je pense que là, il faut que tout le monde va jouer all-in sur Mario et on pourrait, du coup, avoir plein de gens qui échouent, mais peut-être des PB, parce que là, du coup, il ne s'agit pas de viser un 11 ou un 12 minutes. Je pense qu'il faut vraiment viser des strats très agressives et du coup, tenter les trucs les plus fous, quoi. Là, on est obligé, hein. Mais quand on regarde Jante, si Jante finit, on s'en fout, il est 100 points derrière Taker, mais si Taker finit pas, il fait 90 points, si Jante finit, il fait 200 points, quoi, donc, enfin 190, donc les 100 points d'écart sont rattrapables par tout le monde. Oh, et ça va être très serré, parce que Jante, il a 379, en tout cas, donc il pourrait, en plus, ça va être serré, parce qu'avec les 100 points d'avance, ça pourrait être, ça dépend ce que fait, évidemment, avec la complétion 7-1, mais ça pourrait être serré, en tous les cas, ça pourrait être la victoire sur le fil, les remontées des fins fonds. Les runners à surveiller, de toute façon, c'est Taker, Armentis, Tifa, Kouchas, qui sont très hauts et qui peuvent gagner ou pas, mais ensuite, derrière, on a des gros joueurs de Mario qui sont loin, hein, donc Senen, Jante, peuvent vraiment rattraper et voler, enfin, attraper une première place méritée avec un sub 10 sur Mario en live. C'est clair, hein, c'est en tout cas peut-être une opportunité de PB du coup, mais là on est pas mal du coup avec Taker, hein, qui a le lead qu'on stream, Tifa, Draconis qui est pas très loin, bon, Armentis qui stream pas mais qui est en tout cas qui est dans nos cœurs, et Jambe du coup qui possiblement peut jouer toute sa carte sur Mario, donc on va lancer la race Mario.
Hop là, c'est lancé. Ça part donc dans 2 minutes. C'est parfait. Jean qui s'entraîne sur Tricklide et qui meurt. Il a réussi le double hit tout à l'heure. ça, on va voir. Ça va être très très amusant de voir qui s'en sort. Le skip du 6-2, évidemment décisif. 20 secondes. C'est clair. Alors, est-ce qu'on va voir 0, 1, 2 ou 3 sub 10 ? Si on en voit un, c'est un seul. C'est soit Jante, soit Sennen, c'est mes options. Kouchas qui s'est énormément entraîné à la régularité pourrait le faire. Honnêtement, 2, ça serait fou. Hein. Mon Jante, voilà, il se rentraîne. C'est ça qui est pratique avec l'émulateur, on peut mettre des petites save stats à toutes les difficultés pour s'entraîner. On voit qu'il s'entraîne à la potion, le skip. Voilà, ça se rentraîne là. Allez, go, go, go! Peut-être qu'il se dit, allez, en faisant la semi-fast strat, je peux quand même faire sub 10. Ah. Ouais, non, c'est chaud. Bon, ça va partir dans 1 minute. Dernier tour de ce tournoi en 7 jeux de 10 minutes. Il est 10h, ça va finir dans 10 minutes. On saura à 10h10 qui est le grand champion des 10 minutes sur chaque jeu. Et surtout, qui va être le meilleur à Mario. Ça me donne presque envie de le refaire, mais avec les 10 jeux. Oui, mais bah, en fait, c'est possible. On pourra le refaire avec les 10, c'est que j'avais peur que ça dure trop longtemps. Mais ça se fait largement, quoi. Finalement, on aurait terminé à 23h avec 3 jeux de plus. On fera des animations rigolotes, évidemment, je pense, pendant le mois des finales. Parce qu'il y aura plein de gens, du coup, qui vont participer à l'UD, mais qui seront déjà éliminés, qui n'auront pas trop besoin de s'entraîner. Donc je sais pas, j'ai rien prévu pour le mois d'août pour l'instant, je sais pas si on y a pensé, mais il y aura évidemment, je pense, des petits trucs rigolos. Ça va partir. Et les qualifiés à l'ultime finale, tout le monde aura le droit de s'inscrire, sauf eux, parce qu'eux, ils travailleront de manière rigoureuse, hein. Ils auront pas le droit de participer au tournoi fun. Parce qu'ils seront dans leur cave en train de s'entraîner, nous dans leur chambre. Je rappelle juste les PB, 9,50 pour Tifa, 10,07 pour Taker, 9,47 pour Kouchas, 9,55 pour Draconis, 9,24 pour Jante. Svan 10-56 et Armentis 10-12. Donc il y en a déjà qui faut qu'ils battent leur PB pour faire l'exploit. Mais on verra. Allez, c'est parti. Alors déjà, ça joue agressif. Il y a du Toad. Ça va tenter les strats avec Toad. C'est vraiment, on peut gagner un cycle, voire deux. Mais c'est. Il faut vraiment faire toutes les strats, le double saut, qui est quand même un peu compliqué. Wow, Tifa qui rate. Et voilà. Tifa qui perd beaucoup de temps du coup. Attention, parce que ça va être délicat pour la suite. Taker qui a pris un hit aussi. Donc pour l'instant, partir avec Luigi, c'est ça qui a payé. Ouais. Il sait que le sub 10 est faisable avec Luigi. Jante, il a pas fait la strat, donc avec les strats rapides et dangereuses avec Toad. Il a pas fait la bombe, le petit skip. C'est vraiment plutôt pour tenter le sub 9 qu'on bosse ça. Allez hop. Mais du coup, déjà un petit cycle, ça fait du bien. Ouais, voilà. De gagner pour Jante par rapport à Taker, Tifa qui va être loin derrière. Jante et Draconis quasiment synchro. Et Tifa ouais, qui a perdu 12 ou 16 secondes dans l'histoire. Un petit rappel, donc le split de fin, le split final, c'est quand on rentre dans la porte blanche après Wart. Donc pour pas que vous ne soyez. Le lien vers Tipeee Stream ne marche pas dans le. Ah bon, il a changé ? Donation. Ah bon, c'est bizarre. Bah si. Bah pas chez moi, hein. Si je tape sur le Tipeee Stream Ultime Décathlon Donation, ça ne marche pas. Ah bah on verra ça après, c'est bizarre. Je crois que c'est ton bot qui ne donne pas le lien en HTTPS. Ah bon, on va peut-être le rajouter, j'avais mis le raccourci. C'est possible ça. Ouais voilà, évidemment. Internet qui vous protège des sites frauduleux avec le HTTPS pour tout ce qui est donation. Alors, bah, cliquer dessus, c'est sympa. Je rajouterai ça, mais voilà. Du coup, je changerai ça sur le bot. Donc, du coup, ça joue, ça va arriver à la warp côté Jante, on est pas mal. Tifa, un peu de retard, évidemment. On lance en l'air, on est pas mal. Taker et Draconis sont vraiment pas loin. Draconis qui a fait le lancer au pixel sur le coin, qui perd beaucoup de temps, qui doit faire un aller-retour. Draconis, quelle erreur qui repasse dernier de nos 4 joueurs ici. Enfin, c'est presque un glitch, c'est même plus une erreur, tellement c'est précis pour faire ça. C'est un petit bug qui le pénalise. Ah, il a tenté, hein, il était all-in. Là. Ah, là, il était all-in, ouais. Là, on peut le respecter. Il a tenté le beau jeu. Ouais, on rappelle Toad, il est plus rapide quand il transporte des ennemis. Ça, c'est rigolo aussi d'ailleurs. Alors, on va y aller. Jante, belle saisie, c'est pas mal. Là. C'est très très propre, Jante pour l'instant. On n'a pas vu beaucoup, il va tout tenter. Et il est vraiment bien là. On peut dire, Taker est derrière, suivi par Tifa Draconis, hein, qui sont vraiment pas loin.
Allez. Très très propre, Taker aussi. Hein. Il est pas mal. Taker, avec son temps, il pourrait être pas loin de son PB, mais il va tout tenter, Taker. Hein. Ce serait trop tout tenter. Le problème, le grand malheur de Tifa, c'est qu'il sait qu'il peut plus rattraper son PB parce qu'il a tout fait parfaitement, sauf le début, le premier niveau dans lequel il perd 20 minutes, comme il a fait là, en gros. Donc là, il est forcément derrière son PB, ses splits sont tout rouges, et ça doit être assez, assez désespérant. Oui, mais peut-être qu'il y a des strats qu'il avait vraiment... il a pas rebossé le jeu depuis longtemps, peut-être des fast strats. Il a rebossé le jeu aujourd'hui, et ses splits aujourd'hui, c'était moins 18 secondes sur le premier niveau. Et ensuite, c'était moins 18 jante partout. Oh non, jante qui tombe sur les baleines. Ah, mais il se retrouve dernier, là, quasiment. C'est pour ça que les Race Mario, c'est d'une intensité. Tu glisses sur une peau de banane, tu glisses sur une baleine, c'est fini, quoi. C'est horrible. Enfin, c'est surtout ce format-là. Ouais, bah là, au moins il est all-in. Attention, Taker, il faudrait qu'il continue et qu'il assure le plus de points possible pour pas se faire rattraper par Armentis. Armentis, il faut qu'il fasse un PB quand même. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont tous les deux très serrés, donc il n'y a pas besoin d'un PB. C'est vrai que Armentis est très très bien placé. Voilà, le petit serpent pour sécuriser. Ah là là, on a le 6-1 pour Jante. Va falloir du coup. Sortir. Oh, Taker qui s'est trompé de vase. Une erreur qu'on voit très rarement. Ouais, mais là, c'est parce qu'il est. Du coup, il stresse. Il creuse en 3-4 fois. Il est sous pression, là. Je pense qu'il sait qu'il peut plus faire le sub 10. Donc, il va essayer d'assurer le. Oh, il est coincé sous la clé. Attention. Il sait qu'il peut plus faire le sub 10. Donc, il essaye d'assurer sans mourir maintenant. Ce qui est pas forcément mauvais comme stratégie. Voilà, ouais, tout à fait. Il va faire ça. Mais du coup, Armentis, s'il fait un PB, ça va peut-être se jouer à qui va valider le 7-1. En fait, c'est ça. Mais surtout, ce qui est très bizarre, c'est que dans ce jeu, le temps perdu, il est souvent à Wart. Et donc, même si on a un PB inférieur, on peut avoir le même temps au 7-1 à peu près. Taker qui s'élance pour le skip du 7-2. Draconis juste derrière. Même si je suis maintenant convaincu que le sub 10 s'est raté pour tous nos 4 streamers. Hein. Ah, je me dis que. Je me dis que peut-être. Il y a peut-être un. Ouais, pour nous streamer, ouais. Mais. Ah oui, juste pour nous streamer. Je vais pas m'avancer sur les gens que je ne vois pas. Non, les autres ne sont pas assez. Voilà, Draconis, bing, ça c'est pareil. Au pire, si c'était plus possible, si c'était encore possible, ça ne l'est plus. Ouais, là, ça fait perdre pas mal de temps, il faut le refaire. Non, là, du coup, il le refait pas, il y va à pied. Il se fait donc rattraper par Tifa. Tifa qui est plus loin derrière Taker, hein. Taker qui a arrêté de prendre des risques un petit peu, même s'il a fait un joli skip du 6-2. Ah, il jante, là, il ratouille. Mais ça, c'est le côté tout tenté, quoi. Et du coup, il glisse. Voilà, le lien est à jour, maintenant. Ah, Zogman qui est expert sur le jeu, qui nous dit que le sub 10 est toujours encore à toute petite chance pour Taker. Taker qui rate son skip de la bouteille, qui le réussit du deuxième coup au 6-3. Ouais, avec un similaire. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de temps à gagner sur Ward. C'est rare les gens qui font un Ward parfait en fait, avec juste 6 cycles où on saisit, on lance. C'est difficile à faire quand même. Ouais, c'est très très dur. Et donc le Ward parfait, c'est vrai, fait gagner plein de temps. Et du coup, quand on l'a fait dans son PB, après, c'est démoralisant. Parce que du coup, on perd que du temps. C'est compliqué. Mais Taker peut être pas mal. Hein. Ce serait très beau. Parce que gagner à quelques points, mais si en plus il aura terminé Nuclear Throne, s'il termine Mario, il sera vraiment très beau. Quoi. Il fera même un PB, ce qui le ferait remonter aussi au championnat. Je pense vraiment que le sub 10, c'est mort pour Taker. Hein. Mort pour Taker, mort. Bah maintenant, maintenant, oui. Mais en fait, comme Tifa l'a dépassé et Tifa avait perdu 20 secondes au premier niveau. C'était déjà perdu, je pense. Ah, et Taker qui s'exprime dans le chat. Attention à pas remourir, Taker, c'est pas grave. Il faut essayer de valider le plus de niveaux possible. Valider un 7-1 au moins. Ouais, carrément. Ce sera très très bien. Voilà. Il reste 2 minutes 30. C'est marrant, c'est quand même un quart du temps, 2 minutes 30. J'ai l'impression que c'est déjà tout plié pour les runners. Bah, ils peuvent plus finir, mais par contre, ils peuvent valider le 7-1, ce qui serait la complétion déjà pas mal. Il y a de la marge, parce que tout le 7-2, si tu le finis pas, tu peux valider le 7-1 de justesse. Ce qui est déjà pas mal, ce qui te pénalise pas trop. Ouais, limite. Hein. J'ai envie d'y croire, mais je connais la longueur du niveau 7. Enfin, du monde 7, plutôt. Mais il avait pas fait un ward parfait sur son record, Tifa.
Je sais plus. Il a sans doute du temps à sauver dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, il a fait un 9,50. Ah, voilà, attention, ce saut raté. En ne sauvant du temps que au premier niveau. Je sais pas du tout combien de prendre temps pour le dernier niveau, mais 1 minute 48 là pour Tifa, ça me semble chaud patate. Ouais, ouais. Je pense que le record, je sais même pas si le record un 8,26. Ouais, faut tout faire. Bon, bah là, voilà, c'est fini. Oh non. Le clou s'enfonce, au moins. Le petit voilà. Saut raté. 1 minute 30 pour Tifa. Wart, il faut au mieux 24 secondes. Hein, 4 cycles de 4 secondes. Voilà. Et là, peut-être. Il a une minute, un peu moins, pour arriver à Wart. Plus le temps de la cutscene, 6 secondes. Plus l'intro. Il peut plus le faire, mais par contre, secondes. On peut le voir. On peut le voir, au moins. On pourrait voir Wart, on pourrait voir un bout de Wart. Les gens disent pas tué. Impossible, les gens refusent d'y croire. The dream is dead. Alors Jean, il faut absolument qu'il valide surtout maintenant le 7-1. Ouais, il reste ouais. 57 secondes. Compliqué, il faut au moins qu'il valide le 7-1 de principe. Ah non, il y a la porte, j'avais oublié la porte. Non, Tifa s'est touché. Alors avec un magnifique double hit. En fait, avec un Wart parfait. Il peut arriver, il peut perdre alors que Wart meurt, mais il a pas le temps de rentrer dans la porte, je pense. Regarde, il reste 30. Il a pas fait le double hit. Il reste 32 secondes, je pense, c'est juste ce qu'il faut. 24 secondes, c'est ce qu'il faut pour tuer le bot. Voilà, donc s'il fait un Wart parfait, il peut tuer Wart, mais pas avoir le temps de rentrer. Non, c'est fini. Et trop tard, c'est fini. Il aurait pu tuer Wart et pas avoir le temps de rentrer dans la porte, mais ce qui aurait été quand même ultra oui, cruel. Oui, mais ça veut dire que c'était encore jouable parce qu'il a raté le double hit sur le boss avant. Le boss d'avant, il a pas fait le double hit. Avec non, le double non, hit. Non, tu sous-estimes la durée. Ah, et Tifa qui tente le loin. Tu sous-estimes la durée de la petite musique avant que Wart tombe et de l'ouverture de la porte. Ouais, mais il a perdu 3-4 secondes, ouais, mais je c'est pense. C'est plus que 3-4 secondes, c'est ça le problème. Il y a toute une musique et tout. Ça dure assez longtemps. Ah non, Jante. Ah, Jante qui meurt. Et c'est fini. C'est le bip bip. Taker qui a pas réussi non plus à finir. Ah là personne là. N'en a fait le sub 10, mais on n'est pas loin. Alors maintenant, il doit stresser. Ah, il le fait quand même, parce que peut-être qu'il pouvait battre son PB par contre. C'est pour ça qu'il continue, en fait, je pense, Taker. Ah, on va regarder quel est le PB de Taker déjà. C'était 10-12, donc il l'a raté ah, de ouais, peu. Non, ouais. En tout cas, donc, c'était pas loin du tout. Il était pas loin, c'est pour ça qu'il a continué son combat, je pense. Mais en plus, donc... il est mort, non? Ah oui, il est mort sur Tricklide. Ah ouais, donc il a de la marche, Taker. Il va falloir bosser un petit peu Mario. Mais pour c'est faire où je comprends pas. Moi, mon PB, il est deathless et je fais 12 minutes, quoi. Et ben, il va beaucoup, beaucoup plus vite partout. Ouais, mais je fais pas les skips aussi. Non, mais comme quoi, c'est un. Non, mais même au-delà des skips, l'exécution surtout, tu perds peut-être une minute sur Wart déjà, ou 30 ouais, secondes à ouais, boucler c'est vrai en que Wart, double cycle. Il... Moi, ce que j'appelle un Wart parfait, c'est un Wart où je chope à chaque fois, je chope, puis le cycle d'après, je et le touche. Voilà, donc là, tu perds déjà 24 secondes avec un Wart parfait. Comme selon c'est le semi-parfait, c'est le parfait des noobs. Ouais, j'ai remettre... C'est la fin du tournage, je vais remettre ma petite caméra pour que voilà, vous me voyez tout décoiffé, je me suis tiré les cheveux dans cette race. Alors, de toute façon, c'était soit un jeu qui changeait tout avec un uppercut, ou alors beaucoup de gens faisaient le 7-1. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui aura réussi à valider le 7-2? Ça a tenté beaucoup de strats, et c'est très très difficile. Oups. Je vais regarder en avant-première les résultats. On voit évidemment donc Jean qui s'est arrêté au 7-1. Taker qui a fini le jeu, mais qui n'a pas fini assez vite le jeu. Et Tifa qui a fini, qui est mort sur Wart, hein, qui a tenté de le all-in sur la fin. C'était pour le beau jeu. Je me rafraîchis les résultats et je vais regarder ça tout de suite. Voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas encore noté, mais on a beaucoup de 90 points, on a beaucoup de 7-1 évidemment. Mm-hmm. Beaucoup, il y a 10 paliers de complétion. Le classique, du coup, voilà. Beaucoup ont tenté, je pense, le all-in, mais ça n'est pas passé. Comme quoi, c'est pas. 10 minutes, c'est pas si évident, quoi. Parce que c'est marrant, au début de saison, on a longtemps hésité, en fait, si on mettait 9, 9, 30 ou 10. 9, c'est très très difficile, hein. c'est le cas de le dire. C'est rigolo, ça. Donc, effectivement... J'ai l'impression qu'on a tout le monde sur Mario. Énormément de 90, hein. Donc, Taker, Armonte, Steve, Fadraconi, Steve Fleur, bah, Steve Fleur. Zvan, ah oui, non, Zenen, je l'ai pas mis à jour, pardon. Et Metallo. Ensuite, à 80, Kouchas, Jante, Psychos, Rob the Tsel, Jirin, Dr. Ryle, Karpwick, Pickup, Kuri. À 70 points, deux petits verres, Yuganon, Molfried, Calamity Jay... Non, Molfried et Calamity Jay à 60, pardon. Ensuite, Falzar et Monorim à 50 et Vacuity à 10 points. Ce qui fait, sur le total,
roulement de tambour. Le total, du coup, ben, le top 10, on a Jante, ben, c'est grâce, du coup, il a quand même, non, il a fait que 80 points, c'est dommage, mais il reste dans le top 10, mais on a même plus de gens, je pense, dans le top 10, je vais quand même vérifier, parce qu'on pourrait avoir, effectivement, peut-être des gens à égalité avec Jante, non, Jante, il a 459 points, Kouchas, ensuite... Il est 9e, du coup, Jante. Attends, comment il s'est pas mis à jour? Ah oui, pardon, il y a quelqu'un qui n'était pas à jour sur mon truc, je sais pas pourquoi. Alors, Psychose, pardon, est 10e. Psychose qui fait le top 10 in extremis à 422 points. Jante, ensuite Senen, Svan, Stéfleur, Draconis, Kouchas. Tifa, qui est 3e, qui est du coup, qui réussit quand même à mettre son pied sur le podium avec 517 points. Et évidemment, loin devant, on a le 2e et le 1er. Armentis et Taker. Personne n'a réussi à terminer Mario, donc ça n'a pas changé. Mais ils ont aussi tous les deux réussi à valider le 7-1, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe, quoi. Bon, il y aurait pu avoir une catastrophe, et ça n'est pas arrivé. Ils ont tous les deux fait leurs petits 90 points, donc ils sont contents. 565 pour Armentis, 568 pour Taker. Et effectivement, si on avait rajouté 3 épreuves, 30 minutes, plus on va dire 15 minutes de blabla, on arrivait à 23h. Donc en fait, non, le format peut être fait avec tous les jeux en soirée. Ouais. Comme ça. Ça, c'est très rigolo. Du coup, on aurait eu effectivement des trucs assez tendus, a priori, sauf à faire le World Record. On aurait eu sur Lovely Planet pas mal des gros paliers de complétion. Sur Left 4 Dead, ça nous fait. C'est variant, on peut faire la 3e mission quand même. La mission 3 en sub 10, c'est tellement dur. Mais c'est marrant parce que les 10 minutes, j'ai l'impression que c'est un peu un charnière à chaque fois dans cette run, dans les runs. En tout cas, on l'a vu là, sur les 3, sur les 7 jeux de ce soir, c'était vraiment vraiment fou, quoi. Et ben en tout cas, voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir, c'était cool ce format rush. Alors du coup, il y a un autre truc un peu spécial jeudi, Twin, c'est ça, qui se profile. Alors oui, peut-être, on va voir si les gens sont motivés. Le jeudi, en général, c'est les 10 jeux à la suite. Là, c'est un jeudi férié, donc je vais peut-être avoir le temps, moi, de streamer dans la journée et tout ça. Et donc, peut-être faire un décathlon d'entraînement, puis un stream spécial. En tout cas, ça serait sans doute un format alternatif sur tous les jeux, les 10 jeux à la suite, mais des difficultés augmentées, mais pas que, des contraintes, des hacks de ROM peut-être, on va voir, je sais pas encore tout à fait décidé. Je vais aller faire ma petite pub auprès des runners dans le Mumble ce soir pour voir qui est intéressé, avec qui on partirait et comment ça serait restreamé. Je sais que Prosper est chaud pour faire le setup technique ou pour commenter. Peut-être CDV toi jeudi soir, un petit commentaire sur un jeu ou sur une épreuve. Peut-être, faut voir. J'ai déjà regardé, j'ai regardé un peu la liste. Ça peut-être, pourquoi pas essayer. Tout ou partie, puisque c'est des départs simultanés, donc vous pourrez choisir l'épreuve qui vous intéresse. Ah oui, c'est vrai, dès que c'est un départ simultané, je me dis pourquoi pas, je pourrais passer sur les jeux que je maîtrise, mais il y a trop de jeux sur lesquels je suis pas encore prêt, mais il y a des jeux sur lesquels ça va, quoi. Okay. Ça va à peu près, quoi. Du coup, ça serait très rigolo, je pense, de toute façon, enfin, à voir, on ira voir les runners, voir ce qu'ils veulent faire, comment ils sont chauds, parce que les privés de leur décathlon d'entraînement, il y a des gens qui disaient « Mais non, mais moi, je veux faire le décathlon d'entraînement, c'est trop bien. » Donc, à voir, et ouais, je pense que ça va être fun. Ah, carrément. Ah, c'est les gens se disaient « Quoi ? Mais non, mais faites ça le mercredi, hein. Le jeudi, c'est le décathlon d'entraînement !» Mais c'est exactement ça que les gens ont dit, hein, tu imagines même pas. Faut le pas... samedi, c'est les tournois, voilà. La roue, c'est le mardi, une semaine sur deux. Faut pas changer, je comprends le planning. Je pense que pour le D4, D1, vous aurez le planning pour des 5 mois. Là, on a mis un mois à vous donner le planning. Vous aurez le planning avec tous les jours. Et vous pourrez, du coup, agir en conséquence. Mais c'est vrai que pas mal d'events, du coup, c'est cool. Du coup, moi, mes objectifs d'entraînement, là, je pense que j'ai bientôt fini. Je fais le sur le fil 4 cette semaine. Et ensuite, je bosse Metal Slug et Super Ghouls and Ghosts. Et les 1500 points se rapprochent. Là, ils sont à portée de main. Je les touche, peut-être pas du doigt, mais de la main. Une petite main et hop, un petit pas en avant, et ça ira. Yes. Alors, il y a des gens qui disent il y a un planning. Bah, il y a un planning sur le site. Il y a un planning sur le site, ouais, évidemment. Il y a le planning. Dans info, dans ressources, il y a plein de trucs. N'hésitez pas à aller voir un soir où vous en ennuyez. Aux toilettes, avec votre téléphone, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs à lire, plein de runs à regarder aussi. N'hésitez pas à regarder les 10 meilleurs runs ou tous les PB de Tifa quand vous ennuyez. Bref, il y a plein de choses à voir. Fait quoi samedi ? C'est quoi le programme à propos de planning ? Alors, samedi, un gros tournage, je vous mets le planning, je suis sympa. Ah bah non, mais de toute façon, on sait qu'on peut pas... Il y a planning prévisionnel, en fait, ici. Voilà. Et ensuite, vous avez planning prévisionnel. Alors, samedi, effectivement, il y a un tournoi, ça va être...
De mémoire, bah tiens, je vais aller sur le planning prévisionnel, c'est très très bien, parce qu'il y a même la structure de noter sur le planning prévisionnel. Le tournoi 11, du coup, 15h-20h, la structure, c'est tournoi Lovely Planet Nuclear Throne Super Ghouls and Ghost Mario, et tournoi B, Trackmania, Castlevania, Megamanix, et de mémoire, l'invité, c'est Sinel, si je ne m'abuse. Oh, fantastique. Elle commente 4 ou 5 jeux de mémoire, donc je crois que bah, tous les jeux, hein, Super Ghouls and Ghost, Mario, elle adore, Megamanix... De mémoire, c'est ces trois jeux-là, le quatrième, je sais plus, et Castlevania, c'est fort. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà, elle sera là, et ça va être sympathique. Hein. Donc, du coup, comme d'hab, il y aura des étoiles, et puis c'est tout, à part ça, de toute façon, on vous donne les infos, de toute façon, aussi sur le Discord et sur le site. Hein. Mais n'hésitez pas à venir nombreux, parce que là, c'est la fin, c'est un peu les derniers tournois ouverts à tout le monde, après, il y aura les tournois finaux. Qui, du coup, si vous n'êtes pas qualifié, ben, si vous aurez toujours les tournois fun qu'on essaiera de faire, peut-être. Pour l'instant, on n'a rien prévu, parce que c'est vrai que là, ça, le mois de juillet est hyper chargé. Hein. Mm-hmm. On teste un peu notre résistance, parce qu'on fait plein de trucs, du coup, c'est cool. J'espère qu'au moins que vous trouvez ça sympa. Et, mais n'hésitez pas à venir, même pour vraiment juste pour, même si vous avez des jeux que vous n'avez pas le samedi, c'est fait pour ça aussi. Hein. Voilà, et ben, en tout cas, des bisous à tout le monde, c'était cool. Merci à ceux qui nous soutiennent aussi. Hein. Maintenant que le lien sur le du robot est corrigé, personne n'avait fait la remarque, en fait. Bah, ça, c'est peut-être récent que ça ait changé, hein, que voilà, qu'ils aient forcé la redirection. Bah, en tout cas, maintenant, si vous... c'est sympathique de nous soutenir. Et assez prochainement, il y aura soit un Ulu, soit un Tipeee de lancé pour financer l'ultime finale IRL. Donc voilà, on est en train de finaliser ça. Mais ça nous permettra de le 27-28 août qu'on se rencontre. On sera dans une salle de 300 personnes. Il y aura de la place pour tout le monde. Pour du moins ceux qui prennent leur place à l'avance. Alors si on fait guichet fermé, c'est un succès. Je serais triste pour ceux qui viennent pas. Mais ah ouais, si on arrive à vendre toutes les places, ça serait fou. Hein. Honnêtement, ah, là, j'exulterais de joie. Ah, mais ça risque d'être un peu la GDQ française, en fait, parce qu'il y aura donc le tournoi sur le décathlon, 10 races à la suite, les 4 runners vraiment très très chauds à bloc sur ce tournoi, et puis les membres de la communauté proposent des runs pour le dimanche. Ouais, donc carrément. Ça risque d'être super fun à venir regarder. Hein. Bah surtout si c'est des runs, enfin les races c'est sympa, mais les races on en a déjà beaucoup vu, c'est plus des runs que des races, ça va plus vite, on peut en mettre plus dans le programme, pas l'idée que ce soit d'en mettre un max, mais je pense que du coup, et même on pourra faire les remises de prix aussi pendant les transitions de jeu. De manière qu'on avait un peu oublié de faire à l'UD2, mais vraiment les remises de prix pour chaque catégorie, tous les podiums de chaque jeu, chaque catégorie, tous les gros tournois, on préparera ça va être sympa, il y aura des remises officielles, on serrera la main des meilleurs. Allez, des bisous, on en a trop dit, à jeudi ou à samedi ou à vendredi aussi pour le débrief. Salut, ouais, bisous. Demain sur le stream de Fury. Il y ah a oui, toujours c'est des trucs à dire. Ah oui, c'est vrai, parce que je me disais, mais on a un truc mercredi en fait, mais et c'était ouais. Juste que du coup, c'était pas sur le planning du DK, donc je le voyais pas. Oui, donc on a la blind race aussi, du coup, demain avec Twin, que ça sera sur le stream de Real Me Up. Il y aura moi, Twin et Karim à René. Prosper sera à la Real et il y aura Ronan, donc Real Me Up, ainsi que le game designer du jeu. Et le jeu a l'air sympathique, en tout cas, ça a l'air très très cool comme jeu. Mais du coup, je n'y ai vraiment pas joué, du coup. Donc là, j'ai juste vu des images, j'ai vu que ma manette était mappée, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de saut. Donc j'ai dit, ok, pas de saut. j'ai essayé tous les boutons pour voir si ça répondait, mais j'ai dû jouer 5 minutes au total pour tester. Ça va être très très rigolo, un jeu qui est apparemment très dur, sur lequel Real Me Up et Proster ont bossé pour le mode speedrun. J'ai hâte d'y être. Et puis à jeudi, il y aura plein de trucs, et il y a des trucs tout le temps sur cette chaîne, donc ça va être trop cool. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à dire sur là si vous avez bien aimé quand on fait des nouveaux formats, si vous avez bien aimé ou pas aimé, ça permet nous après de voir si on refait ou si on refait pas les runners et les spectateurs. Donc n'hésitez pas. Bon, pour les spectateurs, vous pouvez vous manifester qu'ici, mais pour les runners, n'hésitez pas à dire sur Discord si vous avez trouvé ça inintéressant ou je sais pas. Hein, ça, voilà, n'hésitez pas à le dire aussi, qu'on en prenne note, hein, pour faire des nouveaux trucs ou reconduire les trucs, les concepts qui ont marché. Salut. Appel à ce générique, il est super, il est fantastique. Il y avait un solo de guitare électrique. On vient d'assister à un truc génial. Et ce générique, il met un point final. Pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin? C'est pour écouter ce super refrain. Pour éviter les problèmes juridiques, pour faire appel à ce générique. Il est fantastique. Il y a même un solo de guitare électrique.
rediffuser ce programme, ce serait magique. Juste pour écouter ce générique. Merci aux gens qui ont participé. Leur nom les filles, c'est super, j'en ai. Pour éviter les problèmes juridiques, pour faire appel à ce générique. Il est super, il est fantastique. Il y a même un solo de guitare électrique. Le générique, c'est le générique.